est-ce que tu te maquilles à cette heure? Où est-ce que tu vas, ma fille? Papa, je suis sur le point d'aller au lit. Tu es sûre? Tu es sur le point d'aller au lit? Maman de Scola. Oui, chérie. Est-ce une nouvelle habitude? Est-ce qu'elle fait maintenant avant d'aller au lit? Je me demande bien où elle a copié tout ça. Papa de Scola, pardon, laisse-moi dormir. Je suis très fatiguée. Tu sais que j'ai passé toute la journée au champ. Scola, laisse Scola vivre sa vie. Aide-moi, s'il te plaît. Scola, qu'est-ce que tu fais? Papa Scola, pardon. Laisse cette fille tranquille dans sa folie. C'est sa nouvelle habitude. Tu sais quoi? Ça ne sert à rien de perdre ton temps à essayer de la ramener maman, à la raison. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Maman, je n'aime pas. Va te coucher déjà et laisse-moi tranquille dans ma folie. Maman de Scola, tu peux rester là et parler avec elle. C'est une grande fille. Je vais me coucher. Elle peut faire ce qu'elle veut. Allez, Scola, ma fille, va dormir. Demain, tu auras Mais une longue papa, journée. Papa, je ne vais nulle part, tu sais. Allez, va te coucher. Si tu insistes. À demain, alors. So drop the lipstick and pancake, begin your foundation. It is a beautiful medication. Do some meditation, think about your life. One makogenagakwaka. You don't want education, but you want to be in fashion. Okay, papa mume, makanamene we you. Naro kwararo kwinane. Wanyama, I give some dedication, pay some attention. Naga karagima, zikola setika o. Wanyama onyelecha, I tenilwe tena zwete na kete nuko. Abu kire kaka baragiye, given negintiye. Because it's a judge in the class, you have to make your paper. You have to make your paper. Sikola sitika. Sikola sitika. Agapa fudulugiyo. What a kiri. Haba. Haba. Aroge bona pudegi. Haba. Haba. Arobeka bona pudegi. Haba. 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 Obonyene megifa. Haba. Haba. Forget the madness and sharpness. Focus on your future. In a state of emergency, can be no democracy. In a state of autocracy, there can be no prosperity. Fire the bomb, people do run, run, run. Don't escape the bomb. Fire the bomb, people do run, run, run. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Que fais-tu encore ici? Ah, papa, bonjour. Bonjour. Ta mère ne t'a pas dit qu'on devait tous aller au champ aujourd'hui? Tu as oublié ce qu'on fait ce jour? Elle me l'a dit. Je suis prête. Oh mon Dieu. Mais c'est quelle manière de se préparer pour aller au champ ça? C'est quoi cette nouvelle manière? Tu as vraiment perdu la tête? Bon sang.
Elle porte même des chaussettes. C'est avec ces chaussettes que tu iras au champ. Ah. Et alors, ma manière de m'habiller te gêne? C'est quoi ton problème? Je n'ai pas le droit de m'habiller. Je m'apprête à aller à la ferme. Et voilà pourquoi je me rends propre. Je suis jeune, je ne veux pas de problème. Et si tu ne sais pas, ces chaussettes me protègent les pieds. Je suis encore jeune, je dois prendre soin de ma peau là. Je dépense beaucoup sur mes ongles. Et tu sais que le champ est rempli d'insectes qui peuvent me blesser le pied. Scola, attends, mais qu'est-ce que tu me racontes? Je ne veux pas me salir les ongles, je viens à peine de les faire et tu veux que j'aille au champ? Non, c'est pas possible. Écoute-moi très bien, n'oublie pas que les fainéants ne doivent pas manger aussi. Tu ne mangeras plus dans cette maison. Papa, toi aussi. N'oublie pas que l'argent que tu gagnes est suffisant pour la famille. Ça suffit largement aux besoins de la famille. Tu sais, c'est la vérité. Qu'est-ce que tu viens de dire? Qui t'a raconté tout ça? Allez, parle. Je ne l'ai entendu de personne. Allez, dis-moi qui t'a raconté ça. Je ne sais pas que tu as assez d'argent, hein, papa? Qu'est-ce qui se passe au juste? Demande à ta fille. C'est quoi le problème? Ne me demande pas, maman. Demande à ton mari ce que j'ai fait de mal. Dis-moi, papa, pourquoi tu t'attaques à moi dans cette maison? Tu sais quoi, papa? Tu n'es pas reconnaissant. J'ai prié pour toi jour et nuit pendant des années pour que tu reviennes sain et sauf après la retraite. Pour que tu puisses passer plus de temps avec nous. À cause du simple petit maquillage que je fais, je ne peux plus respirer maintenant. Maintenant, tu as l'audace de me parler comme tu veux. Maman de Scola, regarde comment ta fille s'habille. Est-ce qu'on a l'habitude de s'habiller comme ça pour aller au champ? C'est maman, quoi ça? Regarde. Enlève-moi ça. Dis-moi ce qui ne va pas avec ces chaussettes. Enlève-moi tout ça. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ces chaussettes que je porte? Ça suffit maintenant. J'ai assez entendu cette histoire de chaussettes entre père et fille. Vous ne voyez pas qu'il est presque midi? C'est quoi le problème? Vous voulez aller au champ le soir? Père et fille en train de perdre le temps sur des histoires inutiles. Qu'est-ce qui vous arrive tous les deux? Et toi, à ton âge, tu passes ton temps à faire des histoires. Attends un instant, je voudrais savoir une chose. Maman de Scola, dis-moi toute la vérité. Est-ce qu'elle est vraiment ma fille? Ça suffit, arrête avec cette connerie de questions, papa Scolastica. Ça suffit, ne te fais même pas cette idée. J'ai tout à fait le droit de te le demander. Ça suffit déjà, j'ai pas envie de t'écouter. Je commence à croire que ta fille, alors tu m'accuses de l'avoir fait avec qui? Je ne bougerai plus. Qu'est-ce que tu racontes? Et toi aussi, tu la fermes lorsque ton père te parle. Tu m'as comprise? Tu penses que tu es la première à être jeune? Toutes ces conneries de maquillage, tu te prends pour qui? Miss Monde? À cause de papa, je transpire. J'en ai marre de tout ça. Tu la fermes. Prends tes sandales, on va au champ. Dépêche-toi. Plus vite. Dépêche-toi de porter tes sandales. Miss Monde, Miss Nigeria, la plus belle femme du monde. Maman, il fait chaud, je ne supporte pas cette chaleur. Tu la fermes, j'ai pas envie de t'écouter. Allez. Papa, papa Scolastica, qu'est-ce que tu fais encore là-dedans? Papa Scolastica, sors de la maison, dépêche-toi, on s'en va. Cette fille n'est pas la mienne, je sais qu'elle n'est pas la mienne, je te le jure. Tant qu'elle n'aura pas travaillé, elle ne rentrera pas ici. Fais ce que tu veux, c'est ta fille aussi. Fais ce que tu veux. Tant qu'elle n'aura pas fini de travailler. Scola, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Nous sommes là pour travailler, toi tu t'assois ici à ne rien faire. Scolastica, qu'est-ce que tu fais là-bas? Hein? Qu'est-ce qui te prend ma fille? Maman, le sable a sali mes ongles pendant que je désherbais le champ. Alors je suis en train de nettoyer avant que ça gâte mon vernis. Maman, je n'aime pas tout ce travail, je veux rentrer à la maison. Dorénavant, je viendrai avec des gants. Parce que si j'avais porté des gants, tout juste comme je porte des chaussettes. Les chaussettes, je les ai doublées. Après, j'ai acheté des gants. Tu as vraiment réussi à gâter cet enfant. Pardon, laisse-moi en dehors de tout ça. Hein? Tu m'as comprise? Ne m'appelle plus, laisse-moi. Qu'est-ce que tu racontes? Hein? Est-ce que je ne fais pas de mon mieux? Est-ce que je ne fais pas assez? Pas de soucis. N'en parlons plus. Je t'assure que tout le monde dans le village sait que tu es une femme battante. Et tout le monde sait que ta fille ne prend rien au sérieux. Une fille qui est censée fonder un foyer. Tellement paresseuse. Elle est déjà épuisée à cause de ce petit désherbage. Papa, papa, tu es en train de me provoquer. Que veux-tu? Laisse-moi tranquille. Tu as entendu? Laisse Colatica tranquille. Tu refuses? Maman, pourquoi est-ce que papa n'apprécie rien de ce que je fais? Il n'est jamais satisfait. Il s'en prend à moi tout le temps. Après tout, suis-je censée être ici en train de me salir les mains? Vous voulez me transformer, moi, une princesse en paysanne, au lieu de poursuivre mes études? Au lieu de ça, moi, je passe tout mon temps à travailler dur dans cette ferme. Scola, pardon. Tu sais ce que c'est qu'une chèvre? Tu sais quoi? Tu es une vilaine chèvre. C'est ce que tu es.
Regarde comment ta mère est en train de travailler et toi, tu es assise à la regarder. Mes amis sont en ville, moi aussi, je vais aller étudier en ville. D'ailleurs, c'est ta mère qui t'a gâtée et j'insiste là-dessus. Eh bien, tu es le père de cette vilaine chèvre. Hein? Tu dis quoi? Tu me manques de respect ou quoi? Scola, méfie-toi. C'est à ton père que tu parles comme ça. Non, fais pas ça. Tu oses m'insulter? Je vais te frapper. Vas-y, tu je vais frapper cette fille et m'insulter. N'aucun respect pour moi. Laisse-moi, je te dis, je vais lui donner le nom de ce que je vais jamais oublier. Toi, tu t'es frontée. Moi, je parle et toi, tu me réponds. Tu ne sais pas que tu dois te taire quand je te parle. Ma fille, pourquoi tu fais tout le temps des histoires avec ton père? Pourquoi il ne me laisse pas? C'est quoi votre problème tous les deux? Je l'ai dit et je l'ai plusieurs fois répété. Est-ce que cette fille est vraiment la mienne? Je t'ai dit que je veux plus entendre des choses pareilles. Bonne arrivée, bon arrivée, maman. Bonsoir. Ah, ok. Maman. Ça va? Oui, maman. Scola est à la maison. Scola est allée au marché. Elle dit qu'elle partait au marché. Regardez derrière la maison, il y a un banc. Ok, maman. Apportez-le pour vous asseoir. Comment va ta mère? Elle va bien, maman. Ces fruits de palme sont délicieux. Je ne peux pas m'empêcher de les manger tout cru. Tu parles comme si tu peux tout manger. Comment tu vas? Je vais très bien, maman. Merci. Pas de quoi, ma fille. Comment va ta mère aussi? Elle va bien. Dieu merci. Scola est en train de nous faire perdre tout notre temps. Scolastica! Scola, tes amis sont là! Dépêche-toi! Je suis sûre que ces graines donneront un bon goût à la sauce. Oui, c'est la meilleure qualité de la graine. Maman, je peux en avoir un peu? Je vais vous en donner aussi pour vos mères. Awage! Chizo! Ça fait longtemps que vous êtes là? Oui. Bonne arrivée, les filles! Scola, qu'est-ce que tu portes? C'est quoi ça? Des gants? Pardon, pardon. Je porte des gants. J'ai fait mes ongles. Si vous les voyez, mes ongles sont aussi beaux que moi. Et j'ai dépensé tout mon argent durement gagné pour les faire. Je ne peux pas les salir à cause de ces fruits de palme, jamais. Il me faut au moins un mois. J'ai encore un mois avant de les enlever. Alors ce que vous voyez sur ma main est une manière de les protéger. Vous voyez le genre d'amis que vous avez. Au lieu de se concentrer à l'école et de mieux se préparer pour réussir son examen, elle passe son temps à faire les ongles et à porter des gants. C'est le genre de fille que j'ai mis au monde. Maman, maman, pardon, ne me provoque pas cet après-midi. Laisse-moi tranquille. Je fais mes ongles, je suis au secondaire, je suis en classe d'examen. Dis-moi, quel est donc le rapport entre mes études et mes ongles? Hein? Réponds, maman. Ma mère est trop drôle. Bientôt, j'aurai à me promener toute nue à cause de mon examen. Suis-je la seule à le passer? Mais Scola, ta mère a raison. Tu n'as pas besoin de faire tes ongles. Dis-tu? Oui, c'est vrai. Vas-y, je n'ai pas bien entendu ce que tu as dit. Dis-le-moi encore. Tu n'as pas besoin de porter ces gants. D'accord. Je sais ce que je veux en ce moment. Je veux que vous partiez de chez moi. Partez! Partez chez vous! Scola, calme-toi. Calme-toi! Tu veux que je me calme? Là. On n'en est pas arrivé à quoi? Tu n'étais pas ici, donc tu veux prendre son parti? Ce sont tes intentions? Tes amis n'iront nulle part. Maman, elles s'en vont. Elles sont venues nous aider. Je parle de vous deux. Où veux-tu qu'elles partent, Scola? Ça ne vaut plus la peine. C'est moi qui ai sollicité leur aide. Et maintenant, je n'ai plus besoin d'elles. Elles sont virées. Partez! Allez, sortez chez moi. Si je suis venue chez vous, vous insultez. Qu'est-ce que t'arrive? Vous êtes venue jouer les sept nitouches devant ma mère. C'est donc ça? Rentrez chez vous. Vous venez vous mêler de la vie des autres. Mais qu'est-ce que c'est pas ça, Scola? Regarde ce que ta fille est en train de faire à ses amis. Ses amis sont venus nous aider. Scola les a chassés de chez nous tout à l'heure. Voilà que je n'ai personne pour m'aider. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal en donnant naissance à cette fille. Hein? Tu vois, même ses amis qui sont venus pour nous aider, avec ses grains de palme, elle les a toutes chassées. Pourtant, quand tu lui demandes d'enlever les grains de palme, elle ne veut pas du tout. Elle n'était pas venue pour nous aider. Ne te fais pas des idées. Elles étaient venues ici se jouer les dames responsables devant toi. Mais c'est fini. Je ne peux pas permettre aux gens de venir chez moi et monter un coup contre moi. Pourquoi? Tu parles d'aide. C'est moi qu'elles étaient venues aider. Alors pourquoi tu pleures? Maman Scola, pourquoi tu perds du temps à parler de tout ça? À ce que je sache, ce sont ses amis, alors elle est libre de faire ce qu'elle en veut. Même si elle finit ce travail à minuit, ça m'est égal.
Je ne lui permettrai pas de dormir ici tant qu'elle n'aura pas fini son travail. Oui, papa, fais ce que tu veux. Je sais que tu ne me soutiens pas. Tu penses que ça m'étonne? Pas du tout. À peine arrivé, tu as déjà pris parti sans même écouter ma version. Tu ne m'as rien demandé. Je vais le faire. Je vais le finir moi seul, même s'il le faut. Bonne si je dois faire 5 ans dessus, je vais le finir toute seule. Et pendant que je travaille, je vous demande de laisser Scolastica tranquille. Laissez-moi tranquille. Te pas, parce que personne de vous deux ne peut m'empêcher de vivre. En fait, toute ma vie, je continuerai de briller sans cesse. Et tant pis pour les jaloux. Tu finiras ta corvée avant d'entrer dans ma maison. Tu penses que tu as 5 ans pour la terminer? Tu ne rentreras pas ici tant que tu n'auras pas fini. Je ne supporte plus cette histoire. Je ne supporte plus cette histoire. Vous m'entendez tous les deux? Vous savez quoi? Quand vous aurez fini de parler, je reviendrai. Je ne supporte plus ça. Papa Scola. Tu as entendu ce qu'elle vient de dire? Laisse Scola tranquille. J'ai mal à la tête. Laisse la petite tranquille. Mais tu as entendu lorsque j'ai dit qu'elle ne mettrait plus les pieds dans cette maison? S'il te plaît, va garer ton vélo. Assieds-toi. J'envoie ta nourriture. Je traverse des moments difficiles. Elle ne fait rien de bon. Elle ne peut même pas trouver une bourse pour quitter ce village. À cause d'elle, je n'ai même plus la paix du cœur dans cette maison. Chaque jour, elle doit trouver quelque chose de nouveau à nous montrer ici. Mon mari, tu sais ce que je te conseille? J'ai mal à la tête. Assieds-toi, je t'apporte de quoi manger. Laisse-la tranquille. Oh mon Dieu, mais c'est... Ah, qu'est-ce que je vais faire de cette fille? J'apporte ton repas, ok? Oh, elle va me tuer, cette fille. Scola? Hey. Qui a-t-il? Scola? Qui a-t-il? Ah. Scolastica la mignonne. La plus belle. La plus belle fille du monde. Scola la mignonne. Écoute, nous sommes désolés pour ce qui s'est passé hier. On ne voulait vraiment pas te vexer. Nous sommes désolés. On ne voulait pas t'énerver. Hein? On voulait juste causer avec ta mère. Regardez-moi celle-là. Vous deux. Je vous ai demandé de venir chez moi. Pour m'aider avec mes corvées. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez préféré m'insulter, n'est-ce pas? Nous sommes désolés. Ça n'arrivera plus. Nous sommes désolés. Il ne faut pas froncer ton visage parce que ça m'empêche de voir combien tu es belle. Ces belles paroles ne sont que des moqueries. La plus belle fille du village. Ma chérie. Je ne veux plus que ce qui s'est passé se répète. Cela ne doit plus jamais se reproduire. Ça n'arrivera plus jamais. La reine de la beauté. Sais-tu que tu es la plus belle fille? Regarde comme tu es belle, comme le lever du soleil. La reine. Est-ce que tu sais que tu es la plus belle fille du village? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu es la seule qui est à la mode dans ce village. Scolastica. Absolument. Je le sais. Bien sûr que je suis belle, les filles, n'est-ce pas? Je brillerai toujours pour vous faire plaisir. Scolastica. Je vais puiser de l'eau. Vous voulez m'accompagner? Nous sommes avec toi partout où tu iras aujourd'hui. Regardez mes ongles. Scolastica, ils sont vraiment beaux. Tu viens de les faire? La belle Scolastica. Oui, allez, apprécie mon défi. Mais la plus belle fille de ce monde. Scola. C'est beau, non? C'est ça. Tu es la plus belle, ma chérie. Elle est en train de suivre le tableau. Vraiment, tu la connais. C'est son comportement. Elle va s'essuyer rapidement. Elle n'aime pas la sale tour. Elle va se maquiller après. Elle aime ça, c'est son travail qui est là. Tu la connais. Ah oui, moi je ne crois pas en ces choses. Il faut croire, hein. Tu vas apprendre à la connaître. Voilà, je t'ai pas dit. Je t'ai pas dit. Je ne la connais pas. Je n'ai jamais arrêté avec cette manière-là. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle savait. Encore le maquillage. Toujours le maquillage, toujours. Scola, qu'est-ce que tu es en train de faire? Scola. Scola, c'est à toi que le professeur parle. Excusez-moi, madame, qu'est-ce que vous dites? Lève-toi. Scola, combien de fois il faut que je te dise de ne pas entrer avec cette connerie en ma présence? Mon kit de maquillage? Une connerie? Ne dites pas ça, madame. Pourquoi est-ce que vous m'insultez? Ce n'est pas juste. Mon kit de maquillage est extrêmement coûteux et je suis certaine qu'il coûte plus cher que le vôtre. Ne jamais Scola. Fermez-la! Comment oses-tu me parler de la sorte? Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que vous n'avez pas tous entendu lorsqu'elle m'a
m'insulter? Assieds-toi, Scola, tais-toi. Vous l'avez entendu? Oui, madame, on a entendu. Je vais prétendre de rien avoir entendu. Assieds-toi. Ne la laissez pas. Retournons à notre cours. Vous vous rappelez du sujet d'aujourd'hui? C'est quoi notre sujet? Scolatica. Mais qu'est-ce que tu fais? Madame, je vous ai entendu. Je veux juste nettoyer la craie avec la dernière couche avant de ranger. J'ai de la craie sur la main et sur le visage aussi. Sors de cette classe maintenant. Fais vite. Je ne sortirai pas. Je vous ai entendu. Vous venez de donner le sujet. Est-ce qu'elle n'a pas donné le sujet? Continuons le cours. Sors de ma classe. Allez, sors. Elle aura bien cherché. Qu'est-ce qu'elle a? Quoi? Vous voulez que j'aille où? Tu la fermes, toi. Fermez-la. Madame, j'ai le droit d'être en classe et je vous ai entendu. Vous voulez vous disputer avec moi? Sors de ma classe. Je ne bouge pas. Petite impolie, je vais te dénoncer chez le directeur. Que me reprochez-vous? Qu'allez-vous lui dire? S'il te plaît, Scola, reste tranquille. Scola, pardon, sors. Vous dites que je ne suis pas le cours. Est-ce que c'est mes yeux qui écoutent ou mes oreilles? Je vous ai bien entendu. Tu veux te battre avec moi? Vous voulez me frapper? Scola, tu veux porter main à ton professeur? Ne me touchez pas. Scola, ne pensez même pas me toucher. Insolente. Scola, lâche ma main tout de suite. Si je lâche votre main et que vous me touchez, tu te prends pour qui? Allez, lâche ma main. Je vais le dire au directeur. Arrête ça. Elle se prend pour qui? C'est elle qui est venue me trouver dans cette classe. Alors c'est elle qui doit sortir et non moi. Scola, nous sommes venus au cours. On n'est pas venus t'écouter. Je ne sortirai pas. Et qu'elle aille se plaindre chez le directeur, je m'en fiche. Je n'ai pas peur d'elle, hein? Et vous la fermez, ok? C'est ma vie et ça ne vous regarde pas. Tu n'es plus le prof. Maintenant, non. On est fatigué de toi. Scola, Stika. Pourquoi tu es rentrée de l'école si tôt aujourd'hui? Il y a un souci? Rien du tout. Comment ça? Comment ça, rien du tout? La journée vient juste de commencer. Tu es déjà de retour et tu dis qu'il n'y a rien. C'est le directeur qui m'a dit de rentrer. Qu'as-tu encore fait? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il t'a demandé de rentrer? Je ne sais pas. Il m'a juste convoqué à son bureau pour me demander de rentrer. Et je suis rentrée. Scola, qu'as-tu encore fait? Est-ce qu'on n'a pas payé la scolarité? J'ai payé mes frais. Tu as payé les frais scolaires et il ose te renvoyer? Hein? Alors qu'as-tu fait? Je n'ai rien fait de mal, je te le jure. Le directeur est très stupide. Il s'en prend trop à moi. Il est orgueilleux et se prend pour un grand chef. Pourquoi? Il se plaint tout le temps de mon comportement. Comme si j'étais une chèvre attachée dans sa cour. J'en ai marre. Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu t'entends parler? Tu parles toujours, toujours. Tu te prends pour qui? La reine du monde? Sa majesté? La reine Elisabeth d'Angleterre? Hein, Scola? Vente-toi. Tu n'as rien fait de mal et on t'a dit rentre chez toi, son Altesse. Scolastica, Scolastica, je vais de ce pas dans ton école pour savoir ce que tu as réellement fait. Oui, je vais pour voir le directeur. Vas-y. Maman, vas-y, dépêche-toi d'y aller. Va le voir, il est toujours dans son bureau. Va discuter avec lui si tu y tiens vraiment. Quant à moi, j'en ai marre. Où est-ce que tu vas? Reviens ici, petite insolente. Regarde ta vue. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi tranquille. Chaque fois que je secoue une longue jupe, tu t'arranges pour la rendre plus courte. Regarde comment tu es habillée. Où sont passés tous tes sous-vêtements? Sous-vêtements? Les filles comme moi n'en portent pas. C'est pour les gens de ton âge. Une fille à la mode comme moi ne porte pas de sous-vêtements. Laisse-moi tranquille. Oh, mon Dieu! Pourquoi tu m'as donné ce genre d'enfant même? Pourquoi c'est à moi? Mon Dieu, aide-moi. Qu'ai-je fait pour mériter cela? Qu'ai-je fait pour mériter une telle fille? Mon Dieu! Scolastica! Scolastica! Ofoji, Ofoji. Comment tu vas? Tu vas au marché à 7h? J'espère que tout va bien chez toi. Mon cher, ma femme est malade, alors je suis resté à la maison pour prendre soin d'elle. Désolé. J'espère qu'elle va mieux. Oh oui, elle va bien. Remercions Dieu. Alors, toi, déjà, t'es au marché? Comme d'habitude, je suis allé très tôt. Et j'ai même vendu tout mon stock aujourd'hui. J'espère que je serai aussi chanceux que toi. Oh, Fodji. Je ne sais pas pourquoi tu t'inquiètes, mon ami. Dans ce village, toi et moi, nous sommes les plus grands producteurs de vin de palme. Personne ne pourra jamais rivaliser avec nous. Comme tu peux le constater, le ciel est menaçant. Il va pleuvoir. Tu ferais mieux de te dépêcher pour aller au marché pour vendre ton vin. On se verra à ton retour. Oh, Fodji, s'il te plaît, j'ai quelque chose à te dire.
Tu connais mon fils, Amobi? Ah, tu poses souvent des questions étranges. Tu me demandes ou tu m'informes si je connais ton fils Amobi. Ton fils est un jeune qui aime le travail et tout le monde le connaît ici. Il m'a dit qu'il est faible pour ta charmante et ravissante fille. Hein? Ta fille est la plus belle des filles de tout le village. Il dit qu'il est amoureux d'elle. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as perdu la tête? Hein? Je ne comprends pas ta manière de faire les choses. Comment peux-tu parler d'un sujet aussi délicat dans la rue comme ça? C'est pas bien. Je voulais juste attirer ton attention sur le plan de mon fils. Tu veux que je remette ça un autre jour et pendant ce temps, quelqu'un d'autre viendra prendre ta fille. Hein? Tu as raison. Tu es très sage. Rassure-toi, je viendrai avec lui chez toi ce week-end pour qu'on en parle comme des hommes. Pas de problème, j'ai hâte de vous recevoir. Mes portes vous sont grandement ouvertes. Comme je te le disais tantôt, je dois aller quelque part. Alors on se verra chez moi ce week-end, ok? Je salue ta femme et la ravissante demoiselle qui sera bientôt ma belle-fille. Expliquez-moi, monsieur, s'il vous plaît. Écoutez-moi bien. Et très bien. Savez-vous que votre fille empêche les professeurs de faire leur travail? Non, elle ne m'a rien dit. Je ne suis pas informée. Donc, vous voulez me dire que pendant tout ce temps, elle ne vous a pas aussi dit que j'avais demandé à vous voir? Pas du tout. Monsieur le directeur, je vous le jure, elle ne m'a informée de rien du tout. Madame. Oui. Votre fille, je vous le dis, est un mauvais exemple pour les élèves de cette école. Seigneur. Et à mon avis, elle n'est plus la bienvenue dans cette école du tout. Pourquoi? Monsieur le directeur, ne faites pas ça. Dites-moi ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Cette fille ne peut donc oublier son kit de maquillage. Elle se maquille pendant les cours. Et chaque fois qu'un enseignant arrive en classe, je vous promets que c'est à cet instant qu'elle se fait belle. Se comporte aussi de cette manière pendant les cours. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? Pardonnez-moi. Donc je crois que vous êtes au courant de ça. Aidez-moi, monsieur. J'en suis sûr que c'est vous qui avez payé ce maquillage pour elle. J'en suis bien monsieur sûr. Monsieur le directeur, c'est vrai que je suis au courant. Je ne dirai pas le contraire. Hey. Mais ce n'est pas moi qui l'achète. Quand elle les achète, je les confisque. Elle en achète encore et je confisque à nouveau. Elle ne se décourage vraiment pas. Je vous assure, c'est devenu une routine à la maison. Ma fille gère son propre business. Elle vend des cacahuètes après les cours, alors c'est elle-même qui achète ce qu'elle veut. Je ne sais plus quoi du tout faire. Je vous demande de m'aider, s'il vous plaît. C'est la raison pour laquelle je veux qu'elle parte de mon école. Eh, renvoyée? Oh Dieu! Que deviendra ma fille si elle arrête l'école? Ne faites pas ça, s'il vous plaît! Pardon, pitié! Pitié, si vous pouvez lui donner du temps, elle s'apprête à passer le baccalauréat. Monsieur le directeur, s'il vous plaît, aidez-moi au nom Madame, écoutez-moi bien. Aujourd'hui, votre fille a tenu tête à son professeur. Cela s'est produit ce matin même, je vous le dis. Mon Dieu, Scholastica s'est battue, vous dites? Monsieur le directeur, s'il vous plaît, aidez-moi. Je vous supplie, je ne sais plus quoi faire avec cette fille. Je vous dis, c'en est beaucoup trop. Je ne pense pas que je pourrais la garder dans mon école. Je vous conseille de trouver un autre établissement. Écoutez, je ne la veux plus du tout ici, madame. Je ne supporte plus sa présence dans mon école. Placez-la dans une autre école. Comment ça? Monsieur le directeur, ce n'est pas la solution. S'il vous plaît, aidez-moi. Monsieur le directeur, je vous en supplie de m'aider au nom de Dieu, s'il vous plaît. Ne la renvoyez pas. Si vous la renvoyez, est-ce qu'elle ira, monsieur le directeur, sans éducation? Non, madame, non. Je vous en supplie, madame, au nom de Dieu. Levez-vous, je ferai s'il vous plaît. Tout ce levez-vous, que vous demandez. Levez-vous, madame, s'il vous plaît. Les cacahuètes délicieuses sont là. Achetez mes cacahuètes délicieuses. Madame, s'il vous plaît. Monsieur? Vous en voulez combien? 100 francs. L'unité à 100 francs. Ok. C'est très bon. Tenez. Merci. Bonne journée. Achetez mes cacahuètes. Achetez mes cacahuètes. Mes délicieuses cacahuètes sont là. Cacahuètes.
mes délicieuses cacahuètes. Acheter mes cacahuètes. Ah! Oh, Jésus! Oh, eh. Oh, mon Dieu! Ah! Reviens ici! Qu'est-ce que ça veut pardon, dire? Pardon, qu'est-ce que tu m'as je fait? Je suis vraiment désolée. Pourquoi est-ce pardon, que tu as versé l'eau sur moi? Je suis désolée. Tu es désolée? Tu m'as vu de loin, non? Mais au lieu de ralentir, tu as foncé tout droit sur moi et maintenant tu me dis que tu es désolée? Je suis vraiment désolée. Oh. J'essayais juste d'éviter un nid de qu'est-ce coup. Que tu me racontes? Tu ne m'avais je pas vu. Je ne t'avais pas vu. C'est ça? Regardez-moi cet imbécile. Tu oses me dire que tu ne m'avais pas vu? Donc je ne suis pas assez visible. Soit tu joues les idiots ou tu es complètement aveugle. Une femme aussi belle que moi, vraiment moi scolastica, désolée. Tu ne m'as pas vu? Pardon. C'est de la méchanceté. Pardon. C'est parce que ta petite amie n'est pas aussi belle que moi que tu as versé de l'eau sale sur moi. Que Dieu te le rende. Ce n'est pas ton jour de chance parce que tu vas m'acheter un nouveau kit de maquillage. Je n'ai pas besoin de tes excuses. Ce que je veux, c'est de l'argent pour mon nouveau kit. Tu sais combien ça coûte de me rendre aussi belle comme tu vois? Mais n'importe je jure, quoi. Je n'ai pas assez d'argent. Hein? Donne-moi l'argent. Je n'ai pas assez d'argent, sinon j'allais te le donner. Je sais que tu es une belle femme, mais je n'ai pas assez d'argent aujourd'hui, qu'est-ce pardon. Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai pas assez tu d'argent. Tu ne bougeras pas. Écoute, tu vas me donner de l'argent. Regarde dans tes poches, il y a okay, de l'argent. Laisse-moi te le donner. Nettoyer quoi? Ne me touche pas. J'ai besoin d'argent pour acheter un nouveau kit de maquillage. Je n'ai pas besoin de tes conneries. Je suis vraiment désolée, pardon. Je t'en supplie à je genoux. Je m'en fiche de pardon ça. La beauté. Tu peux te coucher au hein? sol si tu veux. Lèche le sol si tu veux, je m'en fiche de ça. Donne-moi mon argent. Je vais acheter mon nouveau kit de maquillage. Regarde comment tu me fais transpirer à cause de toi. Tout coule. Tu ignores combien ça me coûte cher de dépenser pour une bonne image. Je le veux maintenant. Je te suivrai partout dans le village. Avec tes oui, cacahuètes. Avec mes cacahuètes. Allez, lève-toi. Tu vas m'aider à les vendre. On va les vendre ensemble. On va vendre tes cacahuètes. On va les vendre ensemble. En fait, c'est toi qui vas tout acheter. Tu vas acheter toute ma marchandise aujourd'hui. Tu n'as pas fini de vendre tes cacahuètes? Hein? Qu'est-ce qu'il est arrivé? Maman, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, je ne suis pas d'humeur. Je suis fâchée. Tu es fâchée? Dis ce qui se passe. C'est à cause d'un chauffeur de taxi idiot qui a versé de l'eau sale sur moi. Il m'a sali, il a versé de l'eau sale sur moi et a tout gâché. Gâché mon maquillage, gâché ma journée, il a tout gâché. J'en ai marre. Où est-ce que l'eau t'a touché? Sur mes jambes, regarde sur mes jambes et tu verras. Tu mets le maquillage sur les jambes maintenant? Hein? Tu mets le rouge à lèvres sur les jambes et plus sur le visage? Hein? C'est bien pour ça que tu n'as pas fini de vendre. Tu n'as pas entendu ce que je viens de dire? J'ai dit qu'il a versé de l'eau sale sur moi.
Il manquait que ça pour gâcher ma journée. Il a gâché ma belle image, j'étais devenue moche à cause de lui. Alors ce n'était plus la peine de me promener dans tout le village vu que je n'étais plus belle comme d'habitude. Il a eu de la chance. Sinon, j'allais en finir avec lui. J'allais mettre du feu à son taxi. Tu sais, il a eu de la chance. Parce que ce n'était pas le nouveau kit de maquillage que j'ai acheté la semaine passée. La semaine passée. Sinon, j'allais en finir avec Scola, lui. Scola, tu la fermes, tu m'entends? Tu as vraiment perdu toute ta tête avec cette histoire de maquillage. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta tête. Hein? Où est-ce que tu as appris toutes ces sottises? Je suis allée dans ton école et j'ai appris que tu t'es battue avec ton professeur au cours. Hein? Alors, est-ce qu'il t'a dit ce qui s'est réellement passé? Donc il ne t'a rien dit. Tu ne parles plus maintenant? Je savais qu'il n'allait rien te dire. Oh, je savais qu'il allait donner sa version de l'histoire en mettant toute la faute sur Scholastica. Rien que pour me donner une mauvaise image, comme d'habitude. Tout ce qui est mauvais vient de Scholastica. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu pouvais au moins me demander ce qui s'est passé. Demande à ta fille ce qui s'est réellement passé. Demande à savoir ma version des faits. Je ne suis pas sourde muette. Mais tu passes ton temps à soutenir les autres. La reine de tout le peuple, Son Altesse. Allez, raconte-moi tout. Hein? Maman, tu peux imaginer ce que cette femme stupide a fait? Cette femme est entrée dans la classe de stupide. Scola, arrête. Dis-moi, qui est-elle? Qui est-elle pour que je me sente gênée de la qualifier comme je voudrais? Tu comprends, maman? Je m'en fiche d'elle. Elle est stupide et j'insiste. N'importe quoi. Maman, maman, cette femme est entrée dans la classe et m'a dit d'effacer le tableau. Et moi, je l'ai fait. Ensuite, j'ai voulu nettoyer toute la poudre de craie qui était sur mes sourcils, mais elle ne voulait pas. Et elle a ensuite osé confisquer mon kit de maquillage. Pour qui est-ce qu'elle se prend cette dame? Donc tu fais tout ce bruit pour ce maquillage? C'est ça? Scola, sais-tu que le directeur menace de te renvoyer de l'école? Tu rigoles ou quoi? Renvoyer qui? Renvoyer Scholastica? Il ne peut pas. Il n'a pas ce courage, pas du tout. S'il essaie de le faire, je vais moi-même finir par la me battre. La ferme, Scholastica. J'ai dû aller à ton école pour plaider en ta faveur afin qu'il accepte de te laisser continuer tes études. Hein? Qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? Maman. Oui? Je n'aime pas la manière dont tu prends leur défense. Ça ne me plaît absolument pas du tout. Tu sais quoi? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Laisse-moi tranquille. S'il te plaît, maman, laisse-moi tranquille. Attends, maman. Apparemment, j'ai perdu tout mon temps à te raconter ma version des faits. Alors, laisse-moi tranquille. Ma chère mère, je t'informe que tu as perdu tout ton temps en allant voir le directeur de l'école pour plaider en ma faveur. Parce qu'en ce qui me concerne, j'irai à l'école là-bas moi-même et le directeur ne pourra jamais me renvoyer de cette école. Crois-moi. Et s'il t'avait renvoyé, il devrait maman, plutôt tu être reconnaissante que je sois partie. Hein? N'importe quoi. Les gens de ta promotion ont déjà terminé leurs études. Tu veux passer toute ta vie dans la même classe? Réveille-toi. Qu'est-ce que j'ai fait exactement à cette fille pour qu'elle cherche à en finir avec moi? Son intention serait de m'humilier dans ce village. Dites-moi ce que je ferais de cette fille stupide. Scola, les gens de ta promotion ne sont plus à l'école. Tu es toujours à l'école secondaire. C'est ok. Je vous souhaite de nouveau la bienvenue. Merci Ofoji, mon cher ami. Merci au pleuvoir de Bola. Du tout. Comment va ta mère? Elle va très bien. Ça fait un bon moment que je la vois plus au marché. Elle va bien. Salut-la de ma part. Tu m'as dit quelque chose toujours lorsqu'on revenait du marché. Oui. Et j'ai trouvé qu'il serait mieux que nous puissions nous asseoir pour en parler tranquillement. Alors? C'est pour cela qu'on est là. Ben, je n'ai pas encore rencontré quelqu'un qui n'apprécie pas une sauce très douce. Tu as raison. Et nous savons tous que cette sauce se trouve dans votre maison. Mon ami, ce que tu dis est vrai. Voici mon fils Amoubi. Il m'a dit qu'il a vu une très belle fleur autour de votre maison. Alors, nous sommes venus pour cueillir cette fleur. Mon cher ami, comme tu le sais déjà, tout ce qui pousse dans cette maison m'appartient. Oui. Hey, madame, tu les as entendus? Ils ont vu une fleur ici, dans notre maison. J'ai planté toutes sortes de fleurs. Ouais. Regardez en face de vous, il y a de belles fleurs. C'est vrai que tu as planté de belles fleurs chez toi, mais tu sais ce que nous voulons. En fait, monsieur, la fleur en question, c'est votre fille. Hey. Votre fille est la plus belle de ce grand village. C'est vrai. Ils sont sûrs? Voilà. Je
Je ne pense pas qu'on a déjà dit à Scola qu'elle est la plus belle fille du village. Bien dit. Mais ce n'est pas ça du tout. Elle m'intéresse vraiment. Et j'aimerais qu'elle devienne ma femme. C'est vrai. Je vais épouser votre fille. Oui. Tout à fait. C'est ça. Papa Scola. Tu vois ça. Dieu merci. Elle a l'air de vous plaire. Ils vont la prendre. On n'était pas bien. Nous avons entendu. Mais en tant que son père... Je ne pense pas que je sois le mieux placé pour vous donner plus d'informations à ce sujet. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est de faire venir Scola, Scola ici. Pour qu'elle donne son avis elle-même. Je vais l'appeler. Va l'appeler. Scola, Stika. Qu'elle vienne. Ma princesse. Mon ami. Son Altesse. Je ne t'ai rien dit. Ma princesse, c'est ce Scola. C'est ce que la pluie a fait l'autre jour. Que s'est-il passé? Je t'assure que la pluie allait gâcher tout pour moi. Et... Heureusement que je suis un expert en la matière. Vraiment, il ne faut jamais baisser les bras. Tu as raison. Quant à moi, je suis allé au marché et j'ai vendu toute ma marchandise ce jour-là. Vraiment? Oui. Quant à moi, je ne suis même pas allé au marché parce que les clients étaient déjà venus les acheter ici chez moi. Ah, ma fille. Ma fille. Ah, voilà. Elle est très belle. Ma charmante fille. Bonne arrivée. Approche. Ton père veut que tu viennes m'écouter. Viens t'asseoir. Viens t'asseoir juste un instant, ma princesse. Ma fille. Assieds-toi. Ma jolie princesse. Scola. C'est bien. Scola. Ma jolie. C'est quoi? Voilà. Je te présente Amobi. Oui, Amobi. Il est le plus grand cultivateur dans ce village. Et voici son père. Hein? Ils sont venus demander ta main en mariage. Oui. Oui. Dis bonjour à nos visiteurs. Non, je ne comprends rien. Scola, ma fille, écoute. Je te présente Amobi. Le plus grand cultivateur de ce village. Oui, c'est vrai. Et ce monsieur et son père, ils sont venus demander ta main. C'est vrai. Hé, hey, c'est de la plaisanterie ou quoi? C'est quoi tout ça? Il travaille très bien. Oui, il travaille très dur. Oui. Je sais que c'est une plaisanterie. Non, comment ça? Vous plaisantez, dites-le-moi. Maman. Il faut les saluer d'abord. Que je les salue, pourquoi? Tu as eu l'audace de me réveiller juste pour me dire que... tu veux m'épouser, tu sais qui je suis, moi? Tu es très courageux, hein? Tu n'as pas peur de moi? Papa. C'est quoi tout ça? Calme-toi, je voulais juste te dire... Attends. Tu voulais me dire c'est quoi? Quoi qu'est-ce que tu racontes? Je vous préviens tous les deux, maman et toi, écoutez-moi bien. Ne me réveillez plus la prochaine fois. D'ailleurs, la prochaine fois qu'il y aura des visiteurs misérables dans cette maison, je vous préviens de n'appeler pas Scolastica. Bien. Pourquoi? Fille. Tu oses m'insulter, moi? Pardon, pourquoi fils, est-ce que tu me pardon, insultes mon frère, moi, s'il te plaît. Non, mon ami. S'il te plaît, rassieds-toi. Est-ce que tu as un miroir chez toi? Écoute, tu la fermes. Je ne sais pas que tu es misérable. Calme-toi. Je me fiche de ce qu'il en pense. C'est la vérité. Tu es aveugle ou quoi? N'est-ce pas tout ce que tu as? Montre-moi. Est-ce que tu as garé ta voiture dans cette cour? Ce qui veut dire que tu n'as rien dans la vie. Tu comprends maintenant? Tu es venu demander ma main. Regardez-moi ce misérable. Avec son fils qui porte des pantoufles, il veut épouser Scolastica. N'importe quoi, disparaissez maintenant. Bande de sauvages. Si je supporte les insultes de ta fille, c'est parce que tu es mon ami. Oui, je sais. Si tu n'étais pas mon ami, je te jure que j'allais finir avec elle. Arrête, cesse de le supplier. Ne l'écoute pas. Qu'il rentre chez eux. Allez, sortez. Écoute, Scola. Sortez. Mon fils est un grand cultivateur dans tout le village. Mais pas, il a tout ce qu'il faut pour s'occuper de toi. Assez de ce bavard. Il peut s'occuper de toi. Tu la fermes. C'est ça. Moisi. Il va s'occuper de toi. Regardez ses mains. Elles sont dures comme de vraies roches. Il passe tout le temps à tenir la machette. Et là-haut, les mains avec lesquelles tu passes toute la journée à cultiver et transpirer dans ton minable champ, c'est avec ses mains. Hey, maman, c'est avec ses mains qu'il veut caresser, prendre soin de Scolastica moi-même. Tu veux détruire ma beauté? Regardez-moi ses yeux. Allez, prenez vos Scola, affaires et rentrez chez vous. Oh, Dieu, j'en ai assez de insultes de ta fille. Parle à ta fille. Maman, fais attention. Qu'est-ce qu'ils peuvent me faire sortir? Je te préviens, c'est la dernière fois. Sors du comportement de la femme. Moi, je viens demander un mariage avant de me dire de t'accompagner. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Regarde comment cette petite fille m'a insulté. Hein? C'est à cause de notre amitié que je me suis laissé faire. Ophodie. S'il te plaît, pardon. Ce sont les paroles de notre... rentrons à la maison. Je jure que je ne mettrai plus jamais les pieds dans cette maison. Plus jamais. Mon fils, prends tout ce que nous avons envoyé. Il ne le mérite pas. On ne vous fait pas le cadeau qu'on a déjà fait. Vraiment, tout ça s'en va. Regarde. Mais qu'est-ce que tu as encore? Ophodie, c'est fini entre nous. Prends mon verre, cette bouteille. Ça ne te va pas ou quoi? Papa, pardon, c'est je vais te taper sur la tête avec la canne. Maman, allez, dépêche-toi. Je pensais que tu étais mon ami. Voyons, ne partez pas comme ça. Oh mon Dieu.
Cette fille va me tuer. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Elle nous a totalement humilié devant notre ami. À force de penser à ce que qu'allons-nous faire avec cette fille? Je vous attends depuis. Oh. Mais tu fais quoi arrêter ici? Ma chère, je suis fatiguée. Laisse-moi en paix. Sais-tu combien de temps je suis arrêtée en train de vous attendre? J'ai même eu un léger mal de tête à cause de ce cours compliqué. Scola, j'ai appris que tu as été renvoyée. C'est ce qu'il a dit. Mais une fois encore, maman est venue lui demander pardon. Et il a finalement changé d'avis. Ça va, si c'est ce que tu veux. Mais il faut y réfléchir encore, hein? Bien sûr que oui. Tu sais, la mère que j'ai, tu es chanceuse. Ne me laisse jamais en paix. Ne te trompe même pas. Cette mère qui ne laisse même pas le temps de me reposer. Scola par-ci, Scola par-là, Scola, Scola. Tout ce qu'elle sait faire, c'est de crier mon nom au moins 1000 fois par jour. Ah, c'est trop. Mais Scola, tu sais que tu es têtue. Tu es vraiment têtue. Oh, vraiment. Pardon, je ne suis pas têtue. Pourquoi tu dis ça? Je veux être libre, hein? Je veux juste avoir le temps pour moi. Tout ce que Scolastica veut, c'est être libre. Si tout le monde me laisse tranquille vivre la vie que je veux, il n'y a aucun problème. Est-ce que j'ai empêché quelqu'un de briller? Alors pourquoi ils veulent s'opposer à mon bonheur? Pendant qu'ils sont heureux, moi j'avance simplement. Tu sais quoi? Si tu veux avancer, rassure-toi de ne pas nous mêler à ça. Oui. Ne pense même pas que tu peux nous entraîner dans ce que tu fais. Oui, même c'est pas. Ça. Tu as raison. Tu as vraiment raison. Mais un jour viendra et vous allez voir. Ah, s'il te plaît, allons-y. Il veut pleuvoir. Faudrait pas que la pluie nous trouve. Oh, partir? Pourquoi? J'ai passé tout mon temps ici à vous attendre et tu vas venir me dire allons-y. Toi, tu penses que je vais te suivre comme ça sans m'apprêter? Ça veut dire quoi tout ça? C'est pas vous que j'attendais? Lorsque vous étiez en classe en train de copier, alors laissez-moi bien m'apprêter aussi. Je dois être belle avant que je ne bouge d'ici. Scolatica, où vas-tu avec ton maquillage? Ah, j'espère que tu ne vas pas aller en classe avec ça. Hein. Pourquoi pas? Ah, où est le mal? Oh. Dis-moi, où est le mal si je le fais? On va à l'examen, mais on doit être belle. Je vais entrer dans la salle d'examen avec mon maquillage et personne ne pourra me l'arracher. S'il te plaît, je te demande pardon. Ne viens pas nous créer de problèmes. Ne vous inquiétez pas. Regardez comment elle parle. Comme si ce jour-là, toutes les réponses seront justes. Scola, avec une bonne éducation, tu pourras toujours avoir un bonheur. Scola, écoute un peu. Elle a raison. Ah. Maman. Hey, bonjour. Bienvenue, bel homme. Merci, maman. Sois béni. On dit quoi? Dis-moi, tu es venu chercher quoi exactement? Je suis venu voir ta fille. Ma fille? Hein? Oui, maman. J'espère que tout va bien. Oui, tout va bien. Tu sais. Attends que je t'apporte une chaise. Non, ne te fatigue pas, maman. Tu veux pas de chaise? Ah, la voilà qui vient. Hé! Hey, la plus belle de toutes les filles. Belle comme la lune. Tu as une beauté divine. Nos dieux t'ont vraiment béni. Bonsoir. Bonsoir. Tu te souviens de moi, j'espère? Non. Rappelle-moi. Je me nomme Udukwe, celui qui t'a approché il y a quelques semaines de là. Ah! Je vois maintenant. Je t'ai apporté ce que je t'avais promis. Laisse-moi voir ça. Maman! Oh, mais regarde! Oh mon Dieu, merci beaucoup. Merci. Mon cher, tu es un homme très efficace. Tu es vraiment efficace. Ah! Oh maman, c'est de cet homme que je te parlais. L'homme qui m'a éclaboussé la dernière fois et qui a promis de venir s'excuser. Oh mon Dieu, regarde comme c'est beau. Oh, j'adore les hommes qui respectent leurs promesses. Ah!
Si je ne t'avais pas éclaboussé, je ne serais pas là aujourd'hui. Merci, mon fils. Pas de quoi, maman. Je devais vraiment le faire. J'étais en train de travailler derrière la maison. Donc, je vais continuer. C'est compris, maman. Voilà. OK. Merci encore. Bien. Oh, maman, arrête. Merci. Tout ça te plaît? J'adore. Merci. Que Dieu te bénisse. Tu peux partir maintenant. Oh? Oui. Je suis venu te voir et faire la connaissance de tes parents. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Je veux que tu sois ma femme. Tu plaisantes? Oh non, je suis très sérieux. Regarde. C'est pas ma faute. Ça va pas ou quoi? Je suis très amoureux de toi. Ça ne tourne pas rond dans ta tête. Tu veux épouser qui? Ok, je comprends maintenant. Donc, parce que je t'ai montré le chemin de ma maison, et puis parce que tu as remplacé mon kit, j'ai fait de gros efforts pour ressembler à ce que tu vois maintenant. Je suis devenue Sa Majesté Scholastica. Alors tu penses que je suis tombée aussi bas pour être intéressée par toi? Tu es fou ou quoi? Tu as le culot de venir me demander moi en mariage? C'est quoi ces bêtises avec l'odeur bizarre de ta bouche? N'importe quoi. Il faut sentir. Va-t'en. Mais je me suis brossé les dents ce matin. S'il te plaît, calme-toi. Mais attends, on peut discuter, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as? Attends, Dégage. Allez, va-t'en. Dégage cette pourriture d'ici. Nom de Dieu, pour qu'il se pense cet homme? Quand tu me regardes, tu penses vraiment que ce serait comme toi et moi? Ma fille. Maman, maman, tu vois ce stupide monsieur ici présent? Il a le culot de me dire qu'il va m'épouser. Moi, Scholastica, il est vraiment fou. Maman, je suis juste venue la demander en mariage. Qu'est-ce que j'ai fait de si mal pour qu'elle me mette la honte au visage? Je suis désolée pour ce que ma fille t'a fait. Désolée? Oui, désolée. Je devrais pas m'excuser. Désolée, mon fils, cette fille que tu vois vraiment folle. Je lui ai juste proposé de m'épouser. Regardez, épouser maman, avec ce qui s'est passé la dernière fois. Pour moi, c'était une bonne idée. Tu vois tout ça? Attends, mon fils. Tu continues à parler? Ok, attends-moi, je reviens. Je reviens tout de suite. Ne remets plus les pieds ici, c'est mieux. Non, ne pars pas, attends-moi. Bonne journée, mon fils. Non, reviens. Ne fais pas ça, reviens, scolaire. Reviens, parler de ton soi-disant mariage. Regardez-moi ce fou. Reviens donc me parler. C'est plutôt toi, la folle. C'est plutôt toi, la folle, tu sais pas? Maman? Oui, c'est plutôt toi, la folle. Pourquoi tu le cherches avec un pilon? Tu ne sais pas? Tu n'as pas vu comment il m'a insulté? Tu n'as pas vu? Regarde-moi, Scholastica, une si belle et ravissante fille, que je fais de mal? Après tous ces maquillages et ces bijoux que j'ai mis, donc je vais faire tout ça pour épouser un idiot? Toi-même, regarde un idiot comme ça qui me demande en mariage? Dis-moi, est-ce que tu vas t'épouser toi-même? Vas-y, réponds. Oui, réponds, je t'écoute, Scola. Maman, je crois que je dois changer le style de mon maquillage. J'ai l'impression que je le fais très mal. Je pense que mon maquillage est vilain. Tu dis? Regarde-moi. Scola, tu es vraiment folle. C'est pas la peine. Oui, Scola par-ci, Scola par-là. Laissez Scola tranquille, laissez-moi. Ne remettez plus les pieds ici, idiot. Laissez-moi préparer mon examen en paix, ne me portez pas malheur. Imbécile, vous tous. Tu veux épouser Scola? Comme si je ressemble à une fille que tu peux épouser. Je ne sais même pas si Scola va venir. Quelque chose me dit qu'elle ne viendra pas. Scholastica, cette fille n'est pas sérieuse. Elle croit qu'en se comportant de la sorte, elle pourra avancer dans ses études. Elle n'est pas sérieuse du tout, Elle est toujours en train de parler de maquillage. Elle est tellement attachée à son kit de maquillage qu'elle ne peut rien faire d'autre. Je ne sais même pas pour qui elle se maquille. Elle a rejeté tous les hommes qui sont venus vers elle. Alors pourquoi elle souffre? J'ai appris qu'il voulait tuer un homme parce qu'il est venu la demander en mariage. Tu es sérieuse? Sa mère m'a demandé de stopper notre amitié. Mais j'aime tellement Scholastica. Je l'aime moi aussi, Mais elle est trop distraite par le maquillage. Scola est une vraie bosseuse. Si seulement elle pouvait laisser toute cette histoire de maquillage et se concentrer sur ses études. Sérieusement. Peut-être qu'on devrait aller la chercher. Non. Attendons jusqu'à 16h. Si après ça, elle n'est pas ici, on ira la chercher. Scholastica,
Je souhaite qu'elle cesse avec ce maquillage pour se concentrer sur ses études. C'est n'importe quoi. Scola, tu veux qu'elle cesse de se maquiller pour étudier? Écoute, ma chère, la seule chose qu'on puisse faire pour elle, c'est de lui venir en aide à notre manière, tu vois? C'est tout ce qu'on peut faire pour elle. J'espère qu'elle pourra s'en sortir parce qu'elle n'arrive plus à étudier vu qu'elle passe tout le temps à se maquiller. Scola a toujours été comme ça. Elle est inconsciente aujourd'hui, mais elle va le regretter un jour. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Mon Dieu, je suis foutue. Je n'y crois pas. Oh mon Dieu, pourquoi est-ce que tu m'as donné une telle fille? Pourquoi c'est à moi que tu l'as donnée? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un tel enfant? Qu'est-ce qui se passe? Papa Scola. Regarde la fille pour qui nous faisons tant de sacrifices. J'ai emprunté de l'argent par-ci et par-là pour qu'elle passe son examen. Regarde le résultat. Maman Scola, tout ça ne me surprend pas du tout. Elle n'aurait pas pu faire mieux. Est-ce que tu l'as déjà vue s'asseoir pour étudier une seule fois? Elle ne prend plus les études au sérieux. Elle passe tout le temps à changer de couche de maquillage, du matin au soir. C'est tout ce qu'elle fait. Elle n'étudie pas. Elle ne pense qu'à ce qui va rentrer dans sa bouche. Et après, elle passe son temps à se mirer comme ça, hein? C'est tout son quotidien, hein? Ta charmante fille, regarde, elle a une 9 dans toutes les matières. 9 en anglais, 9 en physique, 9 en biologie. Et le reste n'est pas différent. Ce résultat n'est pas surprenant. D'ailleurs, où est-elle? Je ne sais pas, mon Dieu. Mais où est passée cette idiote, pour l'amour de Dieu? Je ne sais pas où elle est passée. Oh. Je ne sais pas où elle est partie. Je ne sais rien du tout. Je suis là, me voici. Donc, tu es là. Tiens, Dieu, ton résultat n'est pas aussi beau que ton visage. Prends cela au lieu de dire, hein? C'est quoi toute cette connerie? Papa, tu parles de quelle connerie? Comment est-ce que tu appelles ça une connerie? Papa, ne m'énerve pas. Ceci est mon résultat. Ne fais pas comme si tu ne sais pas combien de semaines il m'a fallu pour réviser cet examen. J'ai tout validé. P, tu vois partout, tu as vu, hein? Scola, tu sais bien que tu aurais pu faire mieux. Alors cesse de te défendre. Tu ne vois pas de F? Tu n'as vu que des P sur ton résultat? Tu penses que tu iras loin avec ça? Tu n'iras nulle part avec ce résultat. Bien, tu devras le dire à ceux qui veulent poursuivre leurs études. Mon Dieu. Quant à moi, Scolastica, j'en ai fini. J'y crois pas. Qui dira que Scola n'a pas fait les bancs et qu'elle n'a pas passé le baccalauréat? Vous pensez m'empêcher d'avancer? Est-ce que ça m'empêche vraiment d'être ravissante? C'est bon. Scola, tu devrais commencer à chercher ta propre maison. Tu n'as pas honte? Tu sais quoi? Elle doit quitter cette maison. Cette fille ne vivra plus dans cette maison. Quitte cette maison. Je vais partir. Oh, mais pas maintenant, papa. Je partirai lorsque je serai mariée. Je continuerai à vivre chez toi. On verra bien. Je quitterai ta maison avec l'esprit tranquille. Avant ça, je ne bougerai pas. Après tout, si les études n'ont pas marché, j'essaierai donc le mariage. Je vais l'essayer et je sais que je vais réussir. Vous verrez. Dieu, aide-moi. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Maman, pourquoi est-ce que tu pleures, hein? Ça fait des heures que tu pleures. Qu'est-ce qui t'arrive? Et pourquoi est-ce que tu passes des heures à pleurer sans arrêt? Je ne suis pas le seul enfant à avoir échoué dans ce village. Ça va, je retourne. Elle t'a posé une question? Pourquoi est-ce que tu pleures comme ça? C'est pour cet enfant impoli que tu pleures? Oh, j'aimerais connaître la réponse, même si ça ne servira à rien. Pourquoi pleurer pour elle? Réponds-moi, est-ce qu'elle mérite tes larmes? Pourquoi perdre le temps pour pleurer pour cette idiote? Je vais lui montrer de quoi je suis capable, moi. Elle va voir que je suis son père. Allez, lâche-moi. Qui a-t-il? Ne touche pas. Lâche-moi, je te dis, lâche-moi. Ne touche pas ma fille. Cette fille a perdu la tête. Ne touche pas ma fille. Un enfant n'insulte pas ses parents. S'il te plaît, lâche-moi. Tu as gâté cet enfant. Je t'en supplie. Je vais lui montrer que je suis son père, moi. Arrête. Elle ne peut pas me manquer de respect. J'en ai assez supporté comme ça. Pardon, ne frappe pas mon enfant. S'il te plaît, papa Scola. Je suis venu te supplier, pardon. Hein? Tu sais, regarde le temps. Regarde le ciel. Cette fille est sortie de la maison depuis ce matin jusqu'à cette heure-ci. Et elle n'est pas revenue. Tu n'es pas un peu inquiet? Dis-moi, tu ne t'inquiètes pas un peu pour Scola? Il faut qu'on aille la chercher. Elle est notre unique enfant. Elle est notre unique enfant. Sinon, on sera la risée de tout le royaume. Chérie, il faut que tu te calmes, s'il te plaît. S'il te plaît. Cette fille ne mettra plus les pieds dans cette maison. Elle ne mettra plus les pieds dans cette concession. Cette fille qui a eu l'audace de m'insulter en face. Après tout le sacrifice que j'ai fait pour qu'elle réussisse son examen. Tu penses que je ne comprends pas ce que tu es en train de me dire? Je fais tout pour te calmer, mais... Tout ce que je te demande, c'est que tu te joignes à moi pour qu'on aille chercher notre fille. Pardon, allons chercher notre enfant. Peut-être que sa vie est vraiment en danger. C'est quoi cette absurdité que tu racontes? Je ne sais pas. Non, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Sa vie?
Est-ce qu'elle se comporte comme un être humain? Un enfant qui a eu l'audace de me regarder dans les yeux et de m'insulter? Tu veux que je me joigne à toi pour aller la chercher? Chérie, n'oublie pas l'amour que tu as pour ta femme. Nous sommes ensemble pour la vie. Même avant que cet enfant ne naisse, tu m'aimais. Tout le monde en parlait. Mais tu as dit que tu ne prendras pas une autre femme. Tu leur as dit que ta femme aura un enfant. Pardon, n'oublie pas ce qu'on a vécu. Allez, ça suffit. N'oublie pas l'amour que tu as pour moi. J'ai vraiment compris ce que tu viens de dire. Je vais essayer d'y réfléchir. Écoute, c'est à cause de cet amour que tu as évoqué que j'ai décidé de changer d'avis. Tu vois? Donc, je vais réfléchir. Okay. Je vais revenir sur ma décision. Je vais sûrement changer, mais... Marie, s'il te plaît, c'est notre enfant. Écoute, tu sais, notre enfant Scola, elle n'est plus une petite fille. Bien sûr, elle est maintenant une adulte, elle peut prendre soin d'elle. À un stade de la vie de chaque fille, elle a besoin qu'on lui donne un peu de liberté pour qu'elle puisse faire ce qu'elle veut. Sinon, les gens diront qu'on est en train de lui faire du mal. Tu vois? Ou c'est elle-même qui le dira. Tu vois de quoi je parle? Tu parles de liberté et de privilège. Même avec cette petite liberté, elle se voit déjà comme une très grande dame. C'est comme un papillon qui pense qu'il est un oiseau. C'est ce que ta fille pense. Et c'est de ta faute. Tu as insisté pour qu'on lui donne un peu de liberté. Et regarde maintenant, elle a poussé des ailes comme un petit papillon qui pense qu'il est un oiseau. C'est ce que ta fille pense. Est-ce que tu vois le problème? Oui, hein? Tu as raison, mais c'est notre enfant. J'en ai assez de cette... Bonsoir, mon oncle. Où est-ce que tu penses aller? Retourne-toi. S'il te plaît, calme-toi. Pardon, je t'en supplie, calme-toi. Oui, mon oncle. Je ne veux pas qu'on dise que je t'ai chassé de chez moi. Où est-ce qu'elle va? Mon oncle, pardon. S'il te plaît. Comment est-ce que je peux vivre avec une idiote? Tu peux ressentir. S'il te plaît, mon oncle, malgré tout, elle reste toujours ta fille. Pardon, mon oncle. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour avoir une idiote comme tu? Tu parles de moi? Oui. Ah, papa, s'il te plaît, je ne suis pas idiote. C'est moi ta fille. C'est moi. Scolastica, ta fille unique. Pardon. Ta ravissante fille. Papa, tu sais, dans ce village, tu es le seul à avoir une fille comme moi. Et maintenant, tu m'appelles Scola, idiote. Cesse de raconter des bêtises. Mets-toi à genoux devant ton père pour lui demander Scola, pardon. Fais ce qu'elle dit. Encore? Est-ce que je ne demande pas pardon depuis longtemps? Hein? Je ne fais que lui présenter mes excuses. Hein? Dois-je lui offrir ma vie? J'ai demandé plusieurs fois pardon. D'ailleurs, on fait tous des erreurs. Suis-je la première à les faire? En fait, je veux une deuxième chance. Hey, je suis humaine. Elle mérite une deuxième chance. Tu mérites la troisième, la quatrième et même la cinquième chance. Vous voyez l'arrogance de la personne pour qui vous plaidez? Sa bouche est sale. Elle parle comme un perroquet. Mon oncle, s'il te plaît, c'est un enfant. Pardon, ne l'écoute pas. Ce n'est qu'une fille. Tu penses que c'est un enfant? Eh bien, alors, donne-lui du lait. Tu penses que c'est un enfant? Que des bêtises. Attendez-moi, j'arrive. Tu vois ce que tu viens de faire? Papa! Pardon, C'est devant toi qu'elle me parle de la sorte. Mais je lui demande pardon depuis longtemps. Que voulez-vous que je fasse de plus? C'est pas vrai. Laisse-moi passer au bioma. Je préfère ne plus avoir une fille. Je ne veux plus de cette fille. Je vais la tuer de mes propres mains. Je vais la tuer. Je vais la tuer moi-même. Quelles sont ces manières? Je ne veux plus de toi. Je préfère que tu meurs. Je jure que je ne veux plus d'elle. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus d'enfant. Viens t'asseoir. Ressaisis-toi. Va lui parler. Reste calme. Va lui parler. Non. Mon oncle, non, maman, laisse-moi. Sinon, tu vas faire monter ta tension. Qu'est-ce qu'il me reproche? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Shiza? Awage? Scola, la plus belle fille du village. Scola Tika, bébé. Allez, les filles, quoi de neuf? Je suis contente de vous voir. Bien. Oh, tout va bien. On allait justement chez toi. Ah bon? Alors, ça tombe bien qu'on se croise. Parce que je viens de sortir et je me vais vendre ma marchandise. Vous le savez, je gère mon business. Bien sûr, princesse. Il me semble que tu aimes bien faire ce business. Ah. Et tu te fais de l'argent aussi, hein? Bien sûr que oui. Ah, Scola, la c'est plus belle. Vrai. Et vous voyez que je prends soin pas de moi. Pas besoin de nous le dire. Et surtout, tu brilles de la tête aux pieds. Tu sais quoi? J'ai eu mon bac. Oh! Shizu a eu le sien aussi. Et nous venons fêter chez toi parce que tu l'as eu. N'est-ce pas? Bien. Comme ci, comme ça. Quoi? Si vous voyez mon résultat, j'ai eu 9 P. 9 P. Qui ne sont... Ce qui est très acceptable. Au moins, je n'ai pas échoué. Comment ça, 9 P? Scola, 9 P ne t'amèneront nulle part. C'est vrai? Aucune université ne voudra de toi. Et qui les accepte?
pas cette scolatica, s'il vous plaît. Ça ne m'intéresse pas les grandes études. Hein? J'ai déjà passé la prochaine étape de ma vie. Pourquoi? Pourquoi? Comment ça? Le mariage. Ah, scola. Écoute, il faut que tu repasses ton baccalauréat. J'ai été admise à l'université, alors repasse ton bac pour que tu sois admise aussi. Oui. Je suis sérieuse dans ce que je viens de te dire. Oh, excusez-moi. Ce qu'il me faut en ce moment, c'est un homme énormément riche. Un homme très riche qui viendra me sortir de ce village. Mon cher, tu veux des cacahuètes? Ok. Un homme très riche qui viendra m'épouser et m'emmènera vivre avec lui en ville. S'il te plaît, ma chérie, arrête avec cette histoire de marier un homme riche. Prends mon cas, tu comprends? Je suis orpheline, mais j'ai eu mon bac. Par manque de moyens, mon oncle dit qu'il ne pourra pas payer ma scolarité. Il m'a dit de me marier, mais tu as dû faire le sacrifice. Tu imagines? Il faut que tu repasses cet examen. Arrêtez de vous mêler de ma vie. Vous avez dit ce que vous voulez faire de votre vie, j'ai aussi dit le mien. Qu'est-ce que vous racontez? Où est le problème? Je veux me marier, quitter ce village, plus précisément quitter mes parents. Je ne les supporte plus. Ça va, si c'est ce que tu veux. C'est ce que je veux. Il faut y réfléchir encore. Il faut y réfléchir. Cela. Mes deux mignonnes amies. Je suis tellement heureuse. Bien, je suis très fière de vous deux. Je vous offre des cacahuètes pour fêter ce moment. Je suis fière de vous. Même si on n'a pas d'argent, on peut manger des cacahuètes. La ravissante. La ravissante. Ok. Allez, prenez-en deux chacune. Merci. Je vous les offre de tout mon cœur. Donne-moi l'autre. Arrête ça, prends ce qu'elle te donne. Est-ce que tu sais comment gérer un business? Arrête, tu veux manger toutes les cacahuètes sans payer? La princesse, la bébé. La bébé. Vous devez moi m'accompagner, hein? Vous avez mangé mes cacahuètes sans payer? Allez, c'est la bébé. La plus belle. Dis-moi que tu me trouves belle. Ah, et toi, ma jupe, comment tu la trouves? Oh, c'est moi, Scolastica. Ah, chérie, viens s'il te plaît. Donne-moi un peu. Donne-moi un peu s'il te plaît. Donne-moi tes cacahuètes s'il te plaît. J'ai envie de manger. J'ai envie de manger des cacahuètes. Vous voulez que je vous offre mes cacahuètes? Hein? Donc parce que vous revenez de la chasse, vous pensez me distraire pour que je vous offre des cacahuètes sans payer? Vous êtes cinglé. Non, je veux les payer. C'est ce que je voulais dire en fait. Je veux les payer. Oh. Oui. Oh. Excusez-moi alors, monsieur. Approchez-vous. Désolé, monsieur, je vous prenais pour l'une de ces personnes qui ont l'habitude de m'arrêter et de me demander de leur en offrir. Vous les vendez à combien déjà? 100 francs l'unité. Ok, donnez-moi pour 100 francs. Ok. Ça ne te gêne pas que j'ai pris seulement pour 100 francs, hein? Pas du tout. Même si vous voulez prendre ceux de 25 francs, ça ne me gêne pas du tout. Donnez-moi pour 200 francs alors. Oh, mon cher client. Oui. S'il vous plaît, mademoiselle, c'est quoi votre nom? Oh, je m'appelle Scolastica, mais vous pouvez m'appeler Scola, ça ne me gêne pas. Wow. Oui, ça signifie une personne intelligente. Un très beau nom pour une très belle demoiselle que vous êtes. Savez-vous que vous êtes très belle? Bien sûr, je le sais. Merci. Je vous en prie. Tenez. Voilà. Où est mon argent? Ok, tenez votre argent. Voici l'argent. Alors, mademoiselle, je me demandais comment vous retrouver vu que j'aimerais savoir davantage sur vous. Qu'est-ce que je dois faire? Pardon. J'ai sur la tête un plateau rempli de cacahuètes que je dois vendre. Au revoir. Achetez mes cacahuètes! Vos cacahuètes sont là! Achetez vos cacahuètes! Achetez vos cacahuètes. Ah, les femmes. Achetez vos cacahuètes. Elles sont délicieuses. Mon bébé d'amour. Mon bébé d'amour. Mon bébé d'amour. Tu es vraiment trop jolie. Ah. Et bébé tiki tiki papa. Bébé tiki tiki papa. Bébé tiki tiki papa. Hey. Mon bébé, oh! Ah, ah. Mon joli bébé, oh! Ah, mon bébé là-haut! Ah, elle est trop jolie! Elle est trop jolie! Ah, elle est trop belle là! Mon bébé, oh! Ah, elle est trop belle! Oh, elle est trop jolie! Eh.
Elle est trop jolie et elle est trop belle. Elle est trop... Mon elle fils. Elle est trop jolie et elle est trop... Elle est tu trop... es si content elle... aujourd'hui. Est-ce à cause de la viande de Bruce? Hein? Non, pas vraiment. Ça n'a rien à voir avec la viande de Bruce. En fait, maman, ce que j'ai attrapé est plus important que cette viande de Bruce. Isioko. Oui, maman. Alors, dis-le-moi. Hein? Maman, donne-moi un instant. Sinon, la viande sera brûlée. Maman, je vais tout t'expliquer. Pour moi, ça devait être une journée de brousse comme les autres. Maman, quand je suis entrée en brousse, pleine d'animaux, je te le jure, maman, j'ai commencé à chasser les rongeurs. Quand j'ai fini avec les rongeurs, j'ai vu que quelque chose de plus gros, une antilope. Ah, hey, j'ai paniqué. Non, j'ai donc décidé de chasser l'antilope. Crois-moi. Maman, j'ai tiré sur l'antilope. Et quand je courais derrière l'antilope, j'ai vu une autre chose. C'était bien plus gros, avec encore plus de valeur que toutes les antilopes, maman. Un lion, c'est ça? Un lion? Maman, tu penses que si c'était un lion, je serais ici en train de te parler? Si c'était un lion, est-ce que je serais ici en train de faire cette viande-là? Dis-moi. Dans ce cas, je vais m'asseoir pour t'écouter. Assieds-toi, maman. Est-ce que tu as déjà vu mon genre de fusil-là tuer un lion? Maman, comme je te le disais de suite... Tu sais quoi? Je ne veux pas laisser cette opportunité-là, maman. Comme je te le disais. Hey, attends que je retourne la viande, sinon ça va brûler. Alors, j'ai vu une chose qui était plus grosse qu'une antilope pendant que je rentrais à la maison. C'était quoi, mon fils? Tu ne m'as pas compris? Mais non. Tu n'es pas la seule à parler de façon mystérieuse. Maman, ce matin, j'ai vu ma femme. Ta femme? Maman, je te dis que j'ai vu ma femme. Hey, hey. Oh mon Dieu, tu as vu ta femme? Oui, je l'ai vue, maman. Je te l'ai dit. Elle vient d'un village voisin. Que Dieu soit loué. Elle est très belle. Elle est très intelligente. Que le grand Dieu soit loué. Merci beaucoup, Seigneur. Alors, quand est-ce que nous irons voir ses parents? Maman... Mais c'est toi que j'attends. On ira dès l'instant que tu seras prête. Je suis prête à l'instant même. Je suis prête. À l'instant même? Oui, mon fils. Non, maman, pas maintenant. Laisse-moi te dire quelque chose. Lorsque vous me dérangez... Donc, calme-toi. Calme-toi. C'est à mon tour d'être béni dans ce village. Dieu est en train de faire les merveilles de ma vie et même créer ma femme. Je suis contente pour toi. Mon rêve va se réaliser. Lorsque Dieu finira par me donner cette femme, il l'amènera ici. C'est tout ce que je peux dire. Mon Dieu. Merci, mon maman, Dieu. Maman, sois certaine, ne doute pas. Tu verras. Que Dieu soit Amen. Loué. Sois certaine de ne pas... J'espère qu'elle n'ira nulle part ce soir. Je n'irai nulle part. Ça tombe bien, parce que dès que j'aurai fini, j'irai chercher du vin de palme. Tu sais, pour qu'on puisse continuer cette conversation entre mère oh, et mon fils. Mon Dieu, merci. Bien. Maman, son visage est rayonnant, comme une princesse. Son visage est clair comme le miroir. Sa taille. Si Flavor l'envoyait, il va hésiter, il pètera la tête. Ah, qu'est-ce que tu prépares aujourd'hui? Je suis fière de toi, mon fils. Je prépare de l'igname. L'igname? L'igname, oh, je prépare l'igname, oh, mon fils. J'adore le rabe. C'est le genre de choses que j'aime entendre. Ah, maman, tu sais où est... Où est-ce que tu as mis le sel déjà? Je dois ajouter regarde le sel à la viande. Regarde dans la cuisine. Je vais tout brûler. Quel que soit ce qu'elle fera, je m'en fiche, mais je vais tout réduire ensemble. C'est bien pour elle, voilà. Cette fille m'a assez sous-estimée. Hey, mon mari, je vais que tout tu brûler, c'est mieux c'est ainsi. C'est quoi cette méchanceté, c'est quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Arrête ça. Tu es méchant, pousse-toi. Tu me traites de méchant? Tu devrais plutôt les confisquer au lieu de tous les brûler. Tu ne devrais pas les brûler, donne ça. Pourquoi tu les as brûlés? Tu sais que Scolastique aura besoin de ces choses. Parce que... Lâche-moi, ne me touche pas. C'est toi qui la soutenais depuis le départ. Voilà pourquoi elle fait toutes ces bêtises. Je sais qu'elle est souvent têtue. Alors mais c'est pas une raison pour détruire ce qui lui appartient. Donc tu es d'accord avec moi? Attends, j'arrive. Papa Scola, on verra. Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête. Allez, donne-moi ça. Je vais ça. Tout brûler. Je vais tout réduire ensemble. J'en ai assez de cet enfant. Peu importe c'est sa quoi, réaction. Ce comportement? Je me fiche pourquoi de ce qu'elle pourra faire. De cette manière, c'est vrai qu'elle fait la tête le plus souvent, mais ça ne te donne pas le droit de brûler ces choses. Le plus souvent? Oui, exactement. Elle est devenue complètement folle. Ta fille a perdu la tête. Cette maison m'appartient. Ce n'est que le début. Je ferai pire que ça. Va à l'intérieur, appelle-la. Ce n'est que le début. On verra tout ça. Je vais tout brûler. Elle ne pourra rien me faire. C'est quoi ces bêtises? Scola. Hein? C'est quoi ça? C'est moi qui ai tout brûlé.
qu'est-ce qui est en train de brûler? Calme-toi, Scola. Est-ce mon kit de maquillage? Oui, c'est bien ça. Mais c'est pas bien du tout ce que tu as fait. Ça veut dire quoi? Dites-moi, je rêve ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le feu? Ce sont mes kits de maquillage? Désolée, ma fille. Oh, papa, tu as osé faire ça? Oui. Ma beauté, je suis foutue. Tu as détruit ma beauté. C'est... Non, ce n'est pourquoi pas du tout vrai. Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça, moi? Ma fille, ta beauté est naturelle, tu comprends? Tu as détruit ma vie. Je t'assure que ce n'est que le début. Je ferai pire que ce que tu vois. Je suis foutue. Tu es un homme méchant. Effectivement. Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu détruises ma beauté? Je suis foutue. Pourquoi? Calme-toi, tu verras, ma fille. Tu vas me chérie, tuer, ne bouge pas. Elle ne pourra rien faire. On ne bougera pas d'ici. Tu as compris? Qu'est-ce que tu racontes? Elle ne peut rien nous faire. Ne t'inquiète pas pour cette fille. Elle n'en vaut même pas. Scola, je vais te tuer devant vous. Ne fais pas ça, je t'en supplie. Je suis ton père. Je t'aime. Pardon. Je t'aime. Vous avez détruit la beauté de Scola. Je suis ta maman. Regarde-moi. Tu es ma mère depuis quand? Pitié. Tu dis que tu es ma mère. Pourtant, tu viens de détruire ma beauté. Tu ne m'aimes pas. Je n'ai pas du tout détruit ta beauté. Vous avez brûlé ma vie. Regardez comment vous avez brûlé mon kit de maquillage. Scola, ne fais pas ça. Non, non, ne fais pas ça. Mais oui. Pourquoi rester en vie si je ne suis plus la plus belle fille du village maintenant? Scola, maman, je t'aime. Non, tu ne m'aimes pas, laisse-moi. Tu ne m'aimes pas, tu n'es qu'une menteuse. Scola. Pas ma fille. Pas ma fille unique. Je dois agir tout de suite avant qu'elle essaie de se suicider. Mon Dieu. Le gouvernement a décidé de mettre en un programme de sensibilisation pour aider les jeunes. En fait, le gouvernement lance un appel à tous les jeunes au chômage de s'inscrire dans ce programme. Plusieurs séances de formation seront organisées pour eux afin de... Qui a pris mon kit de maquillage? Où est mon kit de maquillage? Où c'est? Je ne retrouve pas mon kit de maquillage. Où est mon kit de maquillage? Vous faites semblant de ne pas m'entendre, c'est ça, non? Personne ne veut me répondre. Papa, je cherche mon kit de maquillage, tu l'as vu? Je ne le retrouve pas, je l'ai laissé. Papa, c'est à toi que je parle. Tu as perdu la tête ou quoi? Est-ce là une nouvelle manière de saluer son je père? Je cherche mon kit d'abord. Je ne te saluerai que lorsque j'aurai retrouvé mon kit. Je ne suis pas d'humeur du tout, voilà. Dieu seul sait que si je trouve cette bêtise que tu appelles kit de maquillage, je vais la réduire en cendres. Comment? Je vais la détruire. Tu me lances le défi? Allez, vas-y. Si tu touches à mon kit, on mourra tous les deux ici dans cette maison. Je ne vais pas me tuer, papa. C'est plutôt toi qui vas mourir. Après, toi, mourir parce que si je ne retrouve pas mon kit de maquillage, tu sauras de quoi je suis capable. C'est toi qui mourras. Tu penses que je rigole? On verra bien. On verra qui mourra papa, en premier. Papa, tu sais de quoi Scolastica est capable, non? Tu veux parier? Comme tu veux. J'accepte le pari. Où est mon kit? Ma fille, vous n'aurez pas la paix dans cette maison si je ne le retrouve pas. Ma fille, défier. Ma fille veut que je meure. Qu'est-ce que Scola. Je lui ai fait? Maman, je tu cherche mon kit. Tu ne mérites pas d'être ma fille. Maman. Ma fille veut que je meure. D'ailleurs, je me fiche de ce qui t'arrivera. Maman. Maman, j'espère que tu m'appelles pour me parler de mon kit. Où est mon kit? Nous ne sommes que trois dans cette maison. Je suis certaine que l'un de vous deux a pris mon kit. Trouvez-moi. Ne crie pas. Viens, ma fille. Approche. Donc, c'est toi qui as pris mon kit. Hein? Et puis, je le cherche partout et c'est toi qui l'as tout. Ce sont pas mon kit. Est-ce qu'il manque quelque chose? Non, Scola, tu sais... Écoute. Viens, ma fille. J'ai fait un rêve étrange cet après-midi. Je dormais dedans, au salon. Et j'ai vu une chose très étrange qui m'intrigue. Et je voyais ton père brûler ton kit. Et je me suis inquiétée. Je suis allée dans ta chambre pour prendre ton kit. Et lorsque tu criais sur ton père, j'ai décidé de t'appeler. S'il te plaît, fais très attention maman. À ton père. Maman, maman. Hein? Pour l'amour de la vie de ton mari là-bas. S'il te plaît. Préviens-le. Il faut le prévenir. Dis-lui de rester loin de mon kit de maquillage. Tu m'as compris? Je t'assure qu'il ne vivra pas longtemps s'il touche à mon kit. Tu m'entends? Je lui ai dit de commencer à préparer ses funérailles. Je ne rigole pas. Scola, fais attention à ce que tu vas lui dire. Je ne veux pas que ton père s'énerve ou te frappe ou qu'il brûle ton instrument de maquillage. S'il te plaît, j'ai assez de problèmes comme ça. Je te demande juste du calme. Scola, s'il te plaît, assieds-toi. Assieds-toi sur mon palier. Vas-y. Scola, tu connais bien ton père. Évite de t'en prendre à lui, s'il te plaît. Je ne veux pas du tout qu'il te touche. Fais attention, s'il te plaît. Je ne veux pas de problème. J'en ai assez, s'il te plaît. Aide-moi.
Maman, tu vois ce kit de maquillage? Je l'ai acheté avec mon argent, toute seule. Ce n'est pas ton argent et non plus celui de papa. Alors pourquoi est-ce que vous ne voulez pas me laisser tranquille? Je vous le jure. Je jure au nom de Dieu, hein? Celui qui touchera à mon kit de maquillage saura de quel bois je me chauffe. C'est le mien. C'est mon kit. Ma beauté dépend de ça. Quiconque fait l'erreur de toucher à ça saura de quel bois je me chauffe. Je le répète, très bientôt je vais me marier. Je vais me marier à un homme très riche et quitter votre maison. Et je vais partir avec mon kit de maquillage à ce moment. Mais en attendant, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Vous avez votre vie et j'ai la mienne. Il est où? Qu'est-ce que vous voulez au juste? Vous ne faites que crier sur moi jour et nuit. Si votre fille était comme toutes les filles du village, est-ce que ça allait vous rendre heureux? Non, mais vous avez une fille qui est très belle, qui se maquille, qui est présentable, vous n'êtes pas content. Je ne sais pas ce que vous voulez au juste. Vous n'êtes jamais satisfait, c'est ce que je n'aime pas chez vous. Je ne sais pas ce que vous voulez vraiment. J'en ai marre de tout Dieu, ça. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que tu me donnes une telle fille? Je t'ai prié pour que tu me donnes une fille. Et tu m'as donné cette scolastica. Hein? Pourquoi tu m'as donné une fille qui passe son temps à se maquiller? Où a-t-elle appris ce comportement? Je ne sais pas par où commencer avec cette histoire. Si tu avais vu cette fille-là, mon gars, la femme que j'ai vue la dernière fois. Hé, mon frère, tu sais quoi? Ton ami que je suis, j'ai une très bonne vision. Tu vois? Alors, où est-ce que tu as rencontré cette fille? À Oumuenia. Oumuenia? Sérieux? Tu es sérieux? Tu es allé faire la chasse à Oumuenia? Il n'y a plus d'animaux ici? Mon ami Uche, bien sûr que nous avons des animaux ici. Mais on appelle ceci la chasse à l'étranger. Oui, exactement, la chasse à l'étranger. Tu sais quoi, j'ai appris qu'ils ont beaucoup d'intello là-bas. Alors je me suis dit que je vais aller là-bas pour en chercher. C'est beaucoup de courage, ça. Mon frère, il ne s'agit pas de courage. Non, on ne me parle même pas de ça. Écoute, lorsque je revenais, j'ai remarqué cette fille. Non, ce n'est pas une fille, c'est un ange qui venait. Je me suis dit que ce n'est pas un être humain. Ah bon, c'est génial. Alors, j'ai remarqué qu'elle vendait des arachides parce qu'elle les portait sur sa tête, tu vois. Je me suis dit, si tu vends des arachides, alors il faut que je mange. Parce que je mange les arachides et je mange aussi celle qui vient avec. Tu sais, je suis sérieux. Mais je te dis, si tu la vois, je n'en peux plus. C'est une bombe. Si tu poses tes yeux sur elle, crois-moi, tu vas fuir. Ah! Je ferais mieux de fuir en même temps. Comme ça, je ne vais pas la voir. Non, au fait, je veux dire que si tu as eu l'opportunité de prendre un moment pour t'arrêter et regarder cette fille, tu pourrais même vendre toutes tes affaires. Quel est ce genre de fille? Tu veux dire que je vais vendre mon lit et me coucher par terre à cause d'une fille? Je veux dire que si tu vois cette fille, tu vas tomber par terre, Uche. Non, tu as dit pire que ça. J'ai parlé en parabole. Mais si tu veux savoir, je voulais dire que si tu as l'opportunité de voir sa beauté, tu vas forcément tomber, mon frère. Elle est tellement... Je te pose une question et tu ne fais que dire que je vais tomber. Je ne comprends rien. Je veux juste te faire savoir qu'elle est très belle. Mais voilà tout. Tu ferais mieux de dire les choses telles qu'elles sont au lieu de parler en parabole. Il n'y a aucune différence. Vraiment? Toi, tu es très fort. Je te vois venir. Je vois tes plans. mon ami, je ne t'ai jamais entendu parler d'une femme de la sorte. Est-ce que tu prévois l'épouser? Non, je ne vais pas l'épouser. Comme je suis fou et que je ne connais pas les bonnes choses, je vais la laisser partir. Attends, pourquoi tu me poses toutes ces questions, mon frère? On dirait que toi-même, tu veux me remplacer, au fait. Je ne comprends pas. Sache que je te vois venir de très loin. Je connais tous tes plans. N'essaie pas de me poser des questions, mon frère. Tu me poses trop de questions, toi. Non, c'est pas vrai. Tu plaisantes ou quoi? Je te crois pas, je te crois pas, je te crois même pas. Mon ami, est-ce que tu me dis la vérité même? Tu sais, parfois, je ne te comprends pas. Qu'est-ce que tu veux faire au juste? Non, mais attends, je suis un homme ou pas? Pour tout te dire, je veux vraiment la voir aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Oh, je le savais depuis le début. Tu veux vraiment la voir? Oui, dès que j'ai prêt. Ok, mais j'espère que tu connais mon histoire. Oui, oui. Tu connais très bien mon histoire avec les gens de mon quartier. Ils me disent ceci, tu es cela, mais ils sont à chaque fois en train de demander de l'argent aux gens, tu vois. Je vais saisir cette opportunité. Je vais l'épouser. Ah! Elle est trop belle. Elle est trop belle comme le lever du plein jour, mon frère. Tu vois le genre de femme que tu ne laisses pas passer? Ouais. Elle est belle comme une sirène des eaux. Ah. Rien ne vaut sa beauté. Oh mon Dieu, si c'est le cas, j'aimerais vraiment la rencontrer. Oui, on ira la voir aujourd'hui. Mon ami, tu es sérieux? Tu es prêt ou pas? Oh, moi je suis prêt. Dis-moi seulement quand on s'en va, c'est toi qui décides. Est-ce que tu penses qu'on doit aller là maintenant? Je pense qu'on doit aller demain, pas aujourd'hui. Demain? Ok. Non, demain c'est trop tôt. Qu'est-ce que t'en penses, Uchi? Tu penses quoi? Je ne sais pas. C'est mieux, on va reporter notre visite à après-demain.
C'est encore un de tes plans. Mon frère, c'est une déesse. Quand je pense à sa forme, son teint, mon Dieu. Ah, tu es sérieux? Si tu la vois. Je ne sais même plus comment la qualifier. Ah, d'accord. Je vois un peu de quoi tu parles. Parce que dans ce quartier, il y a vraiment de très belles filles. Oui. Regarde comment je suis heureux quand je pense à elle, mon frère. Tu sais quoi? Je n'arrive plus à comprendre cette fille. Je ne sais même plus ce qui se passe. Hein? Tu sais, si je ne te connaissais pas pendant ton enfance, j'allais dire qu'elle n'est pas ma fille en toute honnêteté. Moi-même, je ne comprends pas du tout. Papa, tu m'as appelé? Oui. En plus, elle a la main sur la hanche quand on lui parle. Écoute ce que ton père te dit et tiens-toi bien. Tiens-toi bien, je te dis. Vous n'avez rien à me dire ou quoi? Vous m'avez appelé pour m'apprendre comment me tenir. Je suis occupée à l'intérieur. Et à qui tu dis toutes ces choses? On t'a dit de bien te tenir, alors fais-le. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Me voilà, je vous écoute. Et toi, tu la fermes? Ça ne va pas ou quoi? Nous sommes en train de te parler et tu es là te trémousser. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? On t'a appelé ici pour que tu confirmes ce que tu viens de nous dire. C'est ça. Tu nous as dit que tu n'es plus intéressé par l'éducation scolaire. Alors dis-nous ce que tu veux faire de ta vie maintenant. Ah, vraiment? Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que je vous en ai déjà parlé. Hein? Dois-je toujours me répéter? Tu vas te répéter. Vous avez perdu la mémoire. Lorsqu'il te dit de te répéter, tu dois le faire, ok? Ça ne va pas. Eh bien, j'ai dit que je suis en train d'attendre l'homme idéal qui viendra m'épouser. Qu'est-ce qu'elle a dit? L'homme idéal. Mais de quoi tu parles? Ok, qui est cet homme idéal dont tu parles? Aucune idée. Je ne l'ai pas encore vu. Mais lorsque je le verrai, vous allez le savoir. Mais pour l'instant, papa, maman, calmez-vous. Passe ici où tu vas. Non, laisse-la. Elle dit qu'elle a mieux à faire à l'intérieur. Donc tu as fini et tu prends ta route. Mais j'ai fini de parler. Écoute, tu sais... Il fait chaud. Ma fille, tu vas rester là à attendre la venue de l'homme idéal. Papa, calme-toi. Calme-toi. Je sais que c'est qu'il est riche. Un homme riche avec une voiture. Une voiture dans laquelle il va me prendre. Hein? Et une fois dans la voiture, je ne vais avoir aucune goutte de sueur sur le front. Croyez-moi, quelqu'un qui saura prendre soin de cette merveille. Quand je vais le voir, vous allez le voir aussi. Alors calmez-vous. Donc ce qui prouve que c'est un homme riche, c'est la voiture. Oui. Seigneur. Ça ne va pas chez toi. Mais de quoi tu parles? Tu dois quitter cette maison. Et pourquoi? Parce que ça ne se passera pas aussi. On ne va pas passer tout notre temps à te nourrir. Parce que tu es là à attendre l'homme idéal. Écoute, je t'accorde une année. Sache que lorsque cette année finira, je vais te jeter dehors. Jamais. Hein? Non. Je vous dis que c'est une plaisanterie. Papa, tu ne peux jamais me chasser de cette maison, jamais. Toute cette maison appartient à mon père. Je vais agir et réagir à tout moment comme bon me semble. Tu m'entends? Et si tu n'es pas content, toi, va à l'intérieur, fais tes valises et va t'installer dans la maison de ton père. Oui, bien sûr, j'ai fini de parler. Ok, je ne parle plus. J'ai fini de dire ce que j'avais à dire. Et je suis fatiguée de m'arrêter à écouter tes bêtises. Je fais à l'intérieur, continue ce que je faisais. Dégagez, n'importe quoi. Dis-moi, est-ce qu'elle sait pourquoi elle dit ça? Est-ce qu'elle sait ce qu'elle fait? Non. Je ne comprends pas ce qui lui arrive. Non, ne t'inquiète pas, elle sait ce qu'elle fait. Ah! Laisse-la en paix. Qu'elle continue toujours de parler. Mais pour ma part, après un an, à la fin de cette année, Regarde jusqu'où on est arrivé. Ne considère pas ce qu'elle dit. Oui, bien sûr. À force de ne pas considérer, regarde les conditions dans lesquelles tu es. Laissons-la, Papa Scola. Parce qu'on ne peut plus rien faire. Mais observons pour voir si en un an, toute cette histoire qui fatigue sera réglée. Scola, tu sais que je t'appelle maman. Hein? Je t'ai dit que tu lui ressembles et je suis sérieuse. Tu ressembles vraiment beaucoup, je te le dis, à ma mère. Mais par la force de la nature, ma maman avait un teint noir. Mais c'était une très, très belle femme. Et en plus, c'était une femme beaucoup pacifique. Elle ne faisait pas d'histoire. Hein? Mais toi, tu fais trop d'histoire, pourquoi? Hein? Pourquoi, Scola? Pourquoi? Tu te disputes avec ton père, avec moi. Mais le problème, si je peux supporter, c'est parce que je suis ta mère, hein? Mais tu sais que ton père se fâche beaucoup plus vite que moi, hein? Moi aussi, je m'énerve très vite.
Oui, bien sûr, je m'énerve vraiment très très vite s'il ne le sait pas. Lui, il pense qu'il est le seul à s'énerver, mais c'est qui ce monsieur? Est-ce vraiment mon père? Cet homme devrait avoir honte de lui-même et c'est moi qu'il veut chasser de la maison? Moi, son seul enfant? Il veut me chasser de cette maison comme s'il en avait d'autres dans le grenier. Skola, voilà pourquoi on ne s'entend pas du tout. Et tu parles vraiment trop. Tu ne limites pas du tout tes mots. Tu ne sais pas où t'arrêter quand tu es en train de parler. Tu ne fais que... Et ce n'est pas bien. Hein? Tu devrais juste calmer un peu, Skola. Écoute un peu, juste ce qu'on te dit. Juste ça. C'est tout. C'est juste ce que tu dois faire. Hein? Je t'aime beaucoup, mais tu me fais trop de mal. On ne t'a pas dit de ne pas parler, mais tu dois te taire à un certain moment et écouter aussi. Si tu fais ce que je te dis, il n'y aura aucun problème, ma fille. Hein, Skola? Maman, s'il te plaît, laisse-moi vivre ma vie, s'il te plaît. Hein? Si c'est à cause de la coiffure que tu es en train de me faire, que tu me dis tout ça, je vais mieux le faire. Je n'ai pas dit que je ne le ferai pas. Je vais bien te tresser pour que tu sois encore plus belle. Ok, alors fais-le et tresse-moi bien. Arrête de me parler comme ça. Oui, qui est là? Entrez, s'il vous plaît. Passe de l'autre côté de la cour. On est juste derrière la maison. Bienvenue. Entrez. Oui, maman. Bonne arrivée à vous. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir, maman. Bonsoir, maman. Eh oui, oui. Attends. Bienvenue. Hé, je te reconnais. Oh oui, c'est mon ami. Oui, maman, c'est moi-même. Je suis là. Vous êtes venu acheter mes arachides, mais désolé, j'en ai plus. Allez voir au marché, il doit y en avoir. Les miens sont finis. Non, non, au fait, nous ne sommes pas là pour acheter des arachides, ma très chère. Oui, exactement. On est venu vous voir pour elle. Oui, c'est ça, c'est pour autre chose. Non, c'est rien de grave. Juste qu'on est venu pour un autre type d'arachide que lorsqu'on mange, on est heureux à jamais. Dans tous les cas, vous êtes sa maman. Venez vous asseoir ici. S'il te plaît, Scholastica, il faut... Laisse-moi. Ils peuvent rester oui, comme mes ça. Enfants. Je vous suis méritez sa mère. Vraiment une bouteille de vin. Avec c'est une merveille une princesse. Pareille. Je suis tellement béni. Maman, tu vois, je ne sais pas quel service tu c'est m'as beau. Rendu là. Tu m'as rendu un très grand service. Hey. De toutes les façons, maman, je suis venu voir le père de Skola. Il n'est pas à la maison. Il n'est pas là. Il vient à peine de sortir. Mais Skola, va leur apporter à soir. Ah, maman, ils peuvent s'arrêter. Leurs pieds ne vont pas se casser. Donc, vous ne voulez pas vous asseoir? Hé, hey, maman, c'est pas grave. Celui qui a vu la mère a vu le père. C'est pas grave, maman. Pourquoi? Je suis venu pour voir ton père. Pourquoi? Mon ami, il faut lui dire. Il faut lui dire. Dis-lui. Oui. Non, maman, laisse tomber. Je sais que c'est un peu... Je ne sais pas, au fait, si c'est le bon moment pour vous le dire. On va revenir après pour en parler. Je voulais dire... C'est-à-dire que... Maman, excuse-moi. Je vais me présenter et ensuite présenter mon ami. Je m'appelle Anayo. Anayo est mon meilleur ami. Il s'appelle Sunguito le musicien. Vous êtes donc musicien? Oui, maman. Oui, c'est ça. Je suis encore local, mais bientôt je vais changer à l'international. Sois béni au nom de Jésus. Maman, on vient de Amoa. Vous voulez dire le même? Oui, mémé. Oui, mémé. Vous êtes mes voisins. Soyez les bienvenus. Oui, oui. Dis maintenant. Maman, la vérité est que, en fait, que je pense que c'est pourquoi nous sommes venus ici. Maman... Eh bien, je suis venu ici, même si ce n'est pas le bon moment, et puis aussi que ce n'est pas la bonne façon de venir, mais je devais venir avec quelque chose de plus tangible pour pouvoir faire ma proposition. Mais je ne pense pas que ça m'empêche de dire pourquoi je suis là. Exact. Nous sommes là pour oui, une maman, bonne chose. Ce n'est rien de grave. Je suis venu lui proposer d'être ma femme. Oui. Que Dieu soit loué. Skola, tu as entendu? Oui. Skola, calme-toi. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Seulement te demander de me prendre comme époux et je ferai de même. Ouais. Oui, je peux m'occuper d'elle. Si vous ne le savez pas, je suis un chasseur international. Maman! Il y a un problème à ça. Hey, maman, qu'est-ce que tu as dit? Je suis un grand chasseur, tu peux le demander à mon ami. C'est la vérité. Tu vois, qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es regardé? Laisse-moi, maman. Oh non, je t'assure. Tu me demandes ce qu'il y a? Tu n'étais pas là quand cet idiot m'a demandé de... Calme-toi. Rentrons chez nous. Rentrons chez nous, allons. Regarde cet idiot. Qu'est-ce que tu as? Maman, regarde cet idiot sans avenir. Tu sais qui je suis? Disparaissez d'ici. Nous ne sommes pas des idiots, tu m'entends? Tu fais une crise Scolastica? Tu sais qui je suis? Tu n'as même pas de voiture et tu penses te marier à moi?
Je ne veux plus te voir ici. Va vite, vite. Qu'est-ce que c'est que ça? J'allais écouter tes conneries. Mais tu es venu à pied. Et en plus, tu sors comme un rongeur. Tu me prends pour qui? Une villageoise? Dégage. Scolastica. Allez, arrête un peu. Arrête de là. Maman, laisse-moi tranquille. Je ne veux pas te laisser. Laisse-moi leur montrer de quel poids je me chauffe. Qu'est-ce qui t'arrive? Maman. Maman. Mon Dieu. Maman, tu as entendu? Regarde-moi cet idiot. Moi. Moi, Scolastica, idiot. Tu penses que je suis une sale villageoise? Tu sais qui je suis? Espèce d'idiot. Tu penses avoir tout ce qu'il faut pour me marier? Regardez-moi ce pauvre chasseur. Tu devrais plutôt avoir honte de toi-même. Qu'est-ce qui t'arrive? Laisse-moi tranquille. Tu ne pouvais même pas défendre ta fille. Tu l'as soutenue. Regarde ce que tu souhaites à ta fille. Tu vois ça, maman? Et tu penses que tu es vraiment ma mère? Tu penses que je dois supporter cet idiot parce que tu me le demandes? Hé, je n'y crois pas. Je ne crois pas que cette fille-là m'a vraiment giflé. Tu as entendu ce qu'elle a dit? Tu n'es qu'un pauvre chasseur. Mais tu m'as dit que vous vous connaissez depuis longtemps. Ce n'est pas qu'on vient juste de se rencontrer. On s'est rencontrés il y a déjà longtemps. Alors, c'est quoi son problème? J'ai rencontré cette fille. Et je pensais qu'on était fait l'un pour l'autre et qu'on était sur la même page. Je ne pouvais pas imaginer que cette fille était aussi méchante. Tu as vu ça, Uche? Elle a presque failli m'arracher toutes mes dents. Mais je veux juste te demander, est-ce que tu m'as emmené chez Scolastica pour me présenter la femme que tu veux marier? Je t'ai demandé de m'accompagner parce que tu es mon ami. Je voulais que tu vois la femme de mes rêves, que tu me soutiennes. Cher ami, est-ce que tu t'es regardé dans un miroir? Est-ce que tu as un miroir chez toi? Tu sais à quoi tu ressembles? Attends, je ne te comprends pas, je ne comprends pas ce que tu dis. Tu veux profiter de la situation pour m'insulter, c'est bien ça? Oh, tu ne sais pas à quoi tu ressembles. Tu n'as pas de miroir, c'est ça? Donc, tu veux que je te dessine sur le sol? Tu ne sais pas à quoi tu ressembles. Tu n'es qu'un misérable chasseur pour avoir cette femme. Est-ce que tu sais combien d'hommes défilent chaque jour dans cette maison? Alors, qu'est-ce que tu proposes? Chaque jour, du matin au soir, tu sais combien d'hommes? Alors, qu'est-ce que tu me conseilles? Je te conseille, mon ami, de chercher du pognon. Il faut leur donner beaucoup d'argent. Sans argent, tu n'auras pas cette femme. Ah bon? Donc, c'est le seul conseil que tu peux me donner en tant qu'ami? Mon ami, c'est le seul moyen de réaliser tes projets. Va chercher de l'argent. Si tu veux marier Scola, tu dois avoir de l'argent. Elle est tellement belle, comme un mannequin. Oui, ça suffit. Tu n'as pas besoin de me le rappeler, je le sais déjà. Surtout, n'essaie pas d'aller la voir derrière moi, je te jure. Ne t'inquiète pas. Tu es là pour me soutenir ou bien pour regarder Allez, ma femme? Allez, calme-toi. Qu'est-ce que tu racontes? Bienvenue. Vous êtes déjà revenu du village de Mounia? Oui, maman. Oui. Bonsoir, maman. Bonne arrivée. Je ne savais pas que tu étais là. Bonne arrivée, mon fils. Ah, maman. Merci, maman. Comment ça s'est passé? Maman, tu ne croiras pas ce qui s'est passé. C'était une journée exceptionnelle aujourd'hui. C'est pas à toi de lui raconter. Qu'est-ce que ça change si c'est moi qui raconte ce qui s'est passé aujourd'hui? Calme-toi. C'est moi mon problème. Laisse-moi tout raconter à maman. C'est moi le concerné, alors je suis mieux placé pour lui parler de ça. C'est mon histoire, alors je vais lui raconter. Oh. Maman. Maman, comme je te le disais tantôt, je ne savais pas que tu étais à la maison lorsque nous sommes arrivés de Mouania. Scola et sa famille nous ont accueillis. Oh mon Dieu. Je t'assure que tout s'est bien passé. C'est ce que je voulais entendre. Maman, ils étaient tellement gentils. C'est formidable. Hé, attends un instant. Laisse-moi parler aussi. Tu veux absolument être le seul à raconter tout ce qui s'est passé là-bas. Pourtant, tu ne m'avais pas dit un seul mot lorsque nous étions là-bas. Hé, maman. Excusez-moi, je vais préparer un bon plat de gari à la maman, sauce pistache pour vous. Tu sais que je ne mange pas le gari avec la sauce pistache. Je Mais c'est pas un ça. Bon plat. Je sais, mais... Tu veux manger du foutou avec de la bonne viande? Maman, ne t'inquiète pas du tout. Ce gars ne mérite absolument pas de goûter ton plat. Il ne le mérite absolument pas, je te le dis, maman. Non, c'est ton ami. Qu'est-ce que tu dis? Je ne mérite pas de manger? Maman, quand nous sommes arrivés à Mouania, si je te dis ce que ton fils a fait... Calme-toi, ce n'est pas à toi d'expliquer. Pourquoi penses-tu que tu as le droit de parler? Ils nous ont bien accueillis. Ça s'est bien passé. Ok. Ok, mais il faut que j'arrive. Vas-y. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas dire la vérité à maman? Pourquoi est-ce que nous sommes amis? Tu es devenu mon ennemi. Je ne te soutiendrai pas dans ce mensonge. Dis-lui la vérité. Calme-toi, ce n'est pas le moment de lui dire ce qui s'est passé. Regardez-moi ça. Tu m'as conseillé d'aller chercher de l'argent. Concentrons-nous sur ce qui est important d'abord. Allons chercher de l'argent. Écoute, j'insiste dessus. Si tu veux vraiment avoir cette fille, tu dois avoir beaucoup d'argent. Tu sais, quand tu auras beaucoup d'argent, toutes les filles vont venir. Venir. Oui, c'est une très bonne idée. C'est bien, Oji. Allons manger, j'ai faim. Cacahuètes!
scolaire? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me dépêche de venir chez toi. J'ai réussi à mon examen, j'irai à l'université. Oh, mon Dieu, laisse-moi jeter un coup d'œil. Oui. Oh, Seigneur. Oh, félicitations. Merci, tu es trop chaud. Tu vas me manquer, si seulement tu pouvais venir avec moi. Tu vas me manquer aussi, tu sais. Tu vas vraiment me manquer. Eh bien, qui sait? Peut-être qu'après avoir fini tes études, à ton retour, je serai déjà mariée à un homme très riche. Hein? Tu t'es vraiment décidée? Ah, et l'examen alors? Oublie toutes ces histoires. Je t'ai dit que l'école ne m'intéresse plus. Et j'ai demandé la permission à mes parents de m'autoriser à me marier à un homme très riche. Et ils ont accepté. Scola, avec une bonne éducation, tu pourras toujours avoir un bon homme, tu sais? Qui est-ce qui t'a raconté que j'ai besoin d'éducation pour séduire mon homme? Tu veux dire que cette grande beauté, ce visage éclatant, c'est pas suffisant pour me trouver un homme, hein? Pendant que je sais que beaucoup de filles misérables et moins belles attirent des hommes très riches, moi, Scolastica, je ne vais pas en attirer un. Pourquoi? Ah, tu vois, non seulement je dois m'en attraper un riche, mais je dois aussi m'en attraper un très riche qui possède une grosse voiture. J'en suis vraiment convaincue. Tu sais quoi? L'éducation te garantit un futur et des objectifs bien définis. Je dis, oublie-moi toutes ces histoires, chacun pour soi, comme tu le sais. Éducation, objectif, peu importe. Salut les filles, les plus belles du village. 10 ans? Oui. Comment tu vas? Oui, je suis passée te voir, mais ta mère m'a dit que tu étais sortie. J'ai été admise à l'université. Félicitations. D'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle aussi. Hein? Je vais me marier. Oh, c'est bien. Ah, tu sens. Hein? C'est qui le prince charmant? Oh, bien sûr, c'est Ozike. Félicitations. Merci. Ozike le menuisier? Mes amis, mon oncle me dit qu'il n'y a personne pour payer mes études. Alors la solution, c'est de me donner en mariage à Ozike. C'est tout. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Hey! Ton oncle est très méchant. Ton oncle est vraiment méchant. Pourquoi est-ce qu'il veut te donner en mariage à un homme aussi misérable? Scolastica. Cacahuètes? Oui, madame, il y a des cacahuètes. Scola. Hey. Ce que tu dis n'est pas gentil. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, madame, vous en voulez combien? 200. Qui ne connaît pas aussi qu'est dans ce village? Tu parles comme si j'avais le choix. Je n'ai vraiment pas eu le choix. Hein? Je n'ai pas eu le choix. D'ailleurs, il est très sérieux. Il a promis à mon oncle de prendre soin de moi. Merci, ma chérie. Votre monnaie? Oh, non, je n'ai pas de monnaie. Passez me voir à la maison. Je serai à la maison ce soir. Il a promis qu'il prendra bien soin de moi. Ah, l'essentiel. Tu parles comme si j'avais le choix. Je n'ai pas eu le choix, Scolastica. Je suis contente pour toi. Merci. Félicitations. Hey. Scola. Hey. Fille. Oh. Félicitations. Merci. Ne venez pas me raconter vos histoires. Tu ne vas jamais changer, toi. Bonjour, grand frère. Collé, bonjour. Bien dormi? Oui, grand frère. Bien. Tu vas bien? Je vais bien. Grand frère, s'il te plaît, je voudrais te parler de quelque chose. Avec moi? Oui. Tu sais très bien que c'est le matin. Alors, je dois me préparer pour la journée. Écoute, je dois me dépêcher pour sortir et commencer la chasse à temps, tu vois. Ma soeur, tu peux aller droit au but? Oui. Je voudrais qu'on parle de ta décision de te marier à cette femme et laisser tomber une quête. Collé, je t'ai déjà dit clairement que je ne veux plus d'une quête. Elle ne m'intéresse plus du tout. Alors je ne comprends pas pourquoi tu me parles encore d'elle. Mais grand frère, ce n'est pas ce que tu lui as dit la dernière fois qu'elle était ici. Rappelle-moi. Ok, tu m'avais dit hier que tu allais y réfléchir. Grand frère, à part ça, Nkem est vraiment gentil et j'adore sa compagnie. Je veux une fille qui est sérieuse, une fille qui pourra bien prendre soin de toi aussi. Oui, je sais qu'elle est très gentille. Je sais qu'elle est très simple. Grand frère, c'est le genre de femme que nous voulons, moi-même, Ngozi et maman. C'est Nkem que nous voulons. C'est bien ce que j'ai dit avant de rencontrer Scolastica. Alors maintenant que je l'ai rencontrée, voici ce que nous allons faire. Nous allons laisser le passé dans le passé. Oh. C'est qui Scolastica? Oui, Scola. Je ne t'avais pas dit. Scola est la fille que
que j'ai rencontrée. Et c'est la femme à qui je compte demander de vivre avec moi, tu vois. Elle vient de Mouenia. Mouenia, c'est le village voisin. Grand frère, elle ne vient pas de notre village. Hein? Je me demande comment tu peux décider soudainement de marier quelqu'un que tu connais juste à peine. Et tu ne connais rien de sa vie. Je n'aime pas du tout son nom. Est-ce que tu dois forcément aimer son nom avant que ton frère aille la demander en mariage? Dis-moi. Tu parles de Mouenia? J'aimerais savoir s'il y a une loi ou s'il y a une tradition qui empêche les hommes de se marier aux filles venant d'autres villages. Dis-moi, ma sœur. En particulier les filles de Mouenia. Est-ce qu'il y a ce type de loi? Le jour où tu verras Scholastica, tu changeras d'avis, je te le promets. Tout d'abord, elle est très belle. Ensuite, si tu vois sa forme, ma sœur. En plus, elle est très intelligente et très charmante. Donc c'est sa forme qui t'intéresse? Non, pas du tout. Je m'inquiète plutôt du fait que tu n'aimes pas son nom. Alors, donne-moi du temps pour mieux la connaître. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Grand frère, tu ne connais pas cette fille. Tu ne connais pas son comportement. Tu ne connais rien de son passé. Tu ne sais rien sur elle. C'est plutôt le contraire pour une Kemdili. Tu connais sa vie. Tu connais son père, sa mère. Tu sais tout sur elle. Bien. Peux-tu me donner juste un peu de temps pour mieux connaître cette belle fille? Une Kemdili, peu importe son nom, sache qu'elle ne m'intéresse plus. Alors maintenant qu'elle ne m'intéresse plus, d'ailleurs, si tu insistes tellement sur une Kem, tu devrais l'épouser toi-même. Je ne comprends pas pourquoi tu insistes tellement là-dessus. Non, c'est plutôt toi qui dois le faire. Donc j'ai raison? Ah, d'accord. Alors n'en parlons plus. C'est à moi de trouver la femme avec qui je veux passer le reste de ma vie. Maintenant, ma très chère sœur, je pense maintenant que cette affaire est réglée. Tu peux donc retourner dedans et me laisser choisir la femme que je veux. Laisse-moi trouver la femme avec qui je veux vivre, tu comprends? D'accord. Merci, ma sœur. Ne t'inquiète pas pour moi, j'aurai tout le temps pour apprendre à la connaître et même l'étudier comme une matière à l'examen. Je vais bien l'étudier et avoir son diplôme. Pour cela, ne te fais pas de soucis. Et cesse de me parler d'une Kem. Mon ami, devine quoi? Dis-le-moi. C'est incroyable. Mon piège a attrapé un animal? Tu oublies que tu m'avais demandé ce qu'on pouvait faire pour avoir ce Attends, Mouti, un instant. Vas-y, raconte-moi tout. Tu te rappelles le jour où on est allé chez elle? Lorsqu'elle te battait en te frappant des mains. Elle disait sans cesse, je veux un homme qui a une voiture. Tu n'as rien, tu es misérable, tu es ceci, tu es cela. J'ai pensé à une chose, j'ai une solution. Tu es sérieux? Bingo. Allez, vas-y, raconte-moi tout. Passe-moi l'info. Comme tu veux. Oh, oh, non, s'il te plaît. C'est pas de ça qu'il s'agit. J'allais te le passer comme une passe de Messi. Alors, c'est quoi? Cette solution dont tu parles? Ce que je propose est très délicat. Il faut qu'on parle de ça en privé. Oh. Suis-moi. Allons-y, vite. Suis-moi. Vite. Ah, tu ne vas pas au moins finir de t'habiller. Porte tes chaussures. Oh. Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi. Attends-moi un peu, Uchi. Dis-moi, tu es sûr qu'Onamu viendra? Il viendra. Ah. Fais preuve de patience. Tu sais le problème avec toi? Tu n'es pas patient. Tu es toujours pressé. Et s'il ne vient pas, qu'est-ce qu'on fera, dis-moi? Il viendra. Tu veux qu'on l'attende? Pourquoi? On ne sait pas où il est parti. Il est allé à Cotonou pour faire ses affaires. Pourquoi il met autant de temps, ce gars? On ne sait même pas d'où il viendra. Regardons de ce côté. Oh, le voilà. Ah, il est venu sans sa voiture. Hey. Ah, bienvenue. Sankito. Salut, frère. Hey. Comment vous allez? Cher frère. Oui, mon frère. Nous allons très bien. Comment vas-tu? Comme tu peux le voir. Ok, très bien. Je te présente au maillot. Tu vois, j'ai constaté tout à l'heure une petite panne. Alors j'ai envoyé ça à la réparation. Ok, ok. Tu comprends? Ah, oui, pour effectuer la réparation. Pour que ce soit au top. Tout à fait. Désolé de vous interrompre. Oumayo, qui a des doutes doit poser des questions. J'ai même pas encore touché à cette voiture que déjà elle présente de grandes pannes, tu vois. J'espère vraiment qu'elle ne va pas me créer de soucis. Mon cher ami, tu as une voiture, toi? Tu sais combien coûte un pneu? Ok, on n'a vraiment pas le choix. On est d'accord, mais le prix? De toute façon, Sanguito m'a déjà tout expliqué. Comment tu comptes t'en servir pour atteindre ton objectif? Il m'a tout expliqué. Oh, ok. Ok, alors, dis-moi maintenant, combien de mois, combien de semaines, combien de jours tu veux? Selon le nombre de jours, je te donnerai la condition. Je veux un mois. Tu es sérieux, là? Je pensais que c'était juste un jour. J'avais même l'intention... Je pensais même que tu allais juste à côté et revenir. Tu vois, je voulais même te la louer pour au moins 6 mois afin de mieux exécuter tout mon plan, tu vois. Vous c'est savez, ça. Ce que je veux faire est vraiment important. Mais Oumayo, donne-moi seulement 1 mois. Ok, combien as-tu? Combien comptes-tu me payer pour ce 1 mois?
Ok, disons... Ah, tu peux nous donner un prix abordable. J'ai vraiment hâte de me mettre au volant. Oui, moi aussi. Voilà ce que je propose. Tu comprends? La balle est dans ton camp. C'est à toi de nous le dire. Me payer 20 000 francs? Dis quoi? 100 000, je dis, pour un mois. Ah non, je doute fort qu'il t'a expliqué. Je l'ai fait. Oui, j'ai tout expliqué. Il m'a tout expliqué, bien sûr. Vraiment? Oui, oui. Tu sais que si j'utilise ce véhicule pour faire le taxi, Bruce, je pourrais gagner encore plus que cela. J'aurai assez d'argent. Je sais. On le sait tous. Tu comprends? On le sait. On le sait très bien. Mais à combien serais-tu prêt à le laisser? 200 000 francs. Non, j'ai pas dit que je veux acheter la voiture. Je veux simplement la louer. Pour un mois? Oui. C'est bien ce que je dis. Mais c'est cher. Tu sais combien de rongeurs cette somme-là peut acheter? Alors va donc chasser tes biches ailleurs. Oublie donc ma voiture. Parle-lui. Je propose donc... Quoi? 40? Tu as perdu la tête? Eh bien... Je ne peux pas accepter 40 000. Attends un instant, je vais intervenir. On va faire l'effort d'ajouter encore 10 000. S'il te plaît, on fera tout à 50 000. S'il te plaît, 50 000. Non, 50 000 francs pour un mois. Accepte, s'il te plaît. Fais plutôt 50 000 pour deux semaines. Non, attends, non, tu vois, juste pour ça. Fais-le pour attends, nous. Attends, ajoute. Ajoute pardon. 10 000 francs de plus. Ça fera 60 000 francs. S'il te plaît. Tu sais bien que ce n'est que chasseur. On va ajouter encore 10 000 francs aux 50 000 francs que j'ai déjà. Il faut que tu acceptes 60, s'il te plaît. Pardon. D'accord, calme-toi. C'est gentil. C'est à cause de Sanguito que j'essaie de prendre cette somme. Prends juste à cause de moi. Oui. Non, non, pardon. Ne me dis pas oui. S'il y a bien quelqu'un à cause de qui je l'ai fait, c'est bien Sanguito. Merci, merci. Comment est-ce que je récupère l'argent? Immédiatement, très vite. Maintenant ou plus tard? Non, on va aller. Il faut qu'on aille d'abord chez le mécanicien tous ensemble. Allons donc chez le mécanicien. Allons-y, on prend l'argent et on se on rend prend là-bas. L'argent et c'est bon. Aïe. Oui. Oui. C'est une bonne idée. D'accord. Allons. Allons. Cherchez l'argent. Pardon, c'est pas ici que se trouve. Allez-y, on prend ce chemin. On arrive. Pendant ce temps, vous allez chercher l'argent. On te rejoint. On te rejoint. Okay. Tu ne crois pas que le prix est trop élevé? J'espère que tu ne nous quittes pas définitivement. Ma chère, c'est juste un départ pour l'université. Mon ami, tu vas me manquer. Tu vas me manquer aussi. Désolée d'être venue en retard à ton mariage. Prends soin de toi encore et désolée pour le retard. Mais non, allez, ça suffit. Tu t'es assez excusée comme ça. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Pardonne-moi. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Tu vas me manquer aussi. J'ai les larmes aux yeux. Vas-y, j'aimerais te voir pleurer. Qu'est-ce que ces dames font? Qui sont? Scola. Scolastica. Toujours charmante. Ah, Awogi, qu'est-ce que tu fais avec ce gros sac? Ne me dis pas que tu nous quittes. Je vais à Nisuka. Elle quitte le village. Oh, pourquoi ça, hein? Tu sais que tu vas nous manquer. Scola, tu sais que tu vas me manquer aussi. Ne t'en fais pas, tu vas me manquer. À manquer, c'est sûr que tu promets-moi vas me manquer. Promets-moi de prendre soin de toi, ok? Je souhaite qu'on voyage toutes les tu trois. Tu vas nous manquer. La nouvelle femme mariée dans tout le village. Scolastica, la charmante. Scola la princesse. Ma chère, merci d'être venue à mon mariage. Je t'en prie. Je suis très heureuse. Hier était un grand jour pour moi. Les amis sont là pour ça. Mon mari dit qu'on ira habiter à Onisha bientôt. Donc, je vais bientôt quitter ce village. Ma chère, je suis contente pour toi. Merci chérie, c'est gentil. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tout le monde me quitte? C'est pas gentil. Vous me laissez toute seule dans ce village. Je comprends, ne t'en fais pas. Nous allons certainement nous revoir. Nous ne t'oublierons jamais. Oui, prends ça soin jamais. De toi et reste la plus belle fille je du village. Je serai toujours pimpante. Personne ne pourra me remplacer. Vous le savez, c'est moi après tout. Scolastica. D'ailleurs, moi, je suis beaucoup optimiste. Je sais que je vous verrai bientôt. Sauf si je venais à me marier à un homme venant d'un autre village ou à un homme de la ville. Quoi que tu veux, quoi que tu décides, nous allons te soutenir. Oui. Prends soin de toi, ok? Tu vas à la gare? Oui. Allons l'accompagner à la gare. Oui, allons-y. Ok. Merci. Hey. Oh. Fais bon voyage. Oh, Amayo, je voulais même partir te voir. Tu es en train de passer un bon moment là. Hey. Quoi de neuf, mon ami? Tu vas bien? Ça va bien? Allez, donne-moi ça. Où sont les bonnes manières? Tu manges sans être invité. Qu'y a-t-il? Nous ne sommes plus amis. Pourquoi tu dis ça? Mais tu ne veux pas partager. Partager quoi? Laisse-moi manger aussi.
J'en veux aussi. Pourquoi dois-je te donner? Je sais que c'est le tien, mais qu'est-ce que tu perds à m'en donner un peu? J'ai pas envie de partager. Ok, je vais boire le jus. C'est quoi ce comportement? Donne. Vas-y, mange ton pain et bois le jus tout seul. Je n'en veux plus. D'accord. Ouah, 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 ouah. N'importe quoi. Je voulais juste manger un peu et tu fais semblant de ne pas entendre. Qu'est-ce que tu racontes? Tu oublies la dernière fois où je t'ai apporté cette opportunité d'affaires. Tu oublies si vite, mon frère. La dernière fois, je t'ai fait gagner 60 000 francs. Tu oublies ça? Oumayou, cesse de faire comme si tu ne te rappelles pas. Mon ami t'a remis une somme de 60 000 francs cash. 60 000 francs seulement? Tu fais du bruit à cause de cette petite somme. Tout ce bruit à cause de 60 000 francs. De l'argent fait pour 30 jours. Oumayou, 30 jours n'est pas 3 jours. Tu n'es pas du tout reconnaissant. Oui, ingrat. Je suis ingrat et mon argent reste dans ma poche. Oumayou, arrête. Je suis ton ami. Donne-moi juste un peu de pain à manger, Oumayou. Tu ne peux pas manger tout seul. D'ailleurs, écoute-moi. Dis à ton ami de ne pas rayer ma voiture. Rayer ta voiture? Ta voiture a déjà des rayures partout. Alors cesse de te prendre la tête. Ça ne vous a pas empêché de venir l'emprunter. Cesse de me distraire, donne-moi l'argent. Allez! Hey, qu'est-ce que tu as? Madame, vous avez sa monnaie? Qu'est-ce que tu fais encore, Skola? Skola! Mais qu'est-ce que tu as mis au feu, là? Ce n'est pas à toi que je parle. Skola! Qu'y a-t-il? Mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Ce sont les haricots que je préparais. Oh mon Dieu! Regardez cette marmite! Cette marmite a gâché le vernis que j'ai passé toute la journée à appliquer. Regardez-moi ça! Skola! Skola! Regardez mes ongles! C'est les haricots que tu préparais? Tu devrais regarder à quoi tu ressembles. À ton âge, tes amis sont mariés, ont fait des enfants. Toi, tu racontes encore des sottises. Laisse-moi te dire une chose. Donne-moi une bonne raison pour me convaincre que tu n'es pas une honte pour cette famille. Donne-moi une bonne raison. Papa, si tu as honte, je ne suis pas comme toi. Hein? Tu sais, qu'est-ce que tu dis? Tu me traites de tous ces noms à cause des haricots. Je ne suis plus libre de commettre des erreurs. Tu appelles ça des erreurs? Tu étais assise juste à côté de ce que tu as mis au feu. Ça brûlait et tu n'as rien senti. Simplement parce que tu te couvrais le visage avec un masque. Hein? La personne qui t'a fait ça va le payer très cher. J'ai honte de toi. J'ai même honte de moi. Je ne peux même pas te donner en mariage. Parce que tu ne sauras pas comment tenir un foyer. N'importe quoi. Papa, c'est m'insulter seulement que tu sais faire de mieux. Rien que des injures, c'est tout ce que Attends. Tu sais faire. Vas-y, je t'écoute. Laisse-moi te dire une chose. Vas-y. Tout ce que tu diras ne ruinera pas mon maquillage, pas du tout. Écoute, je suis ton père et j'ai mis du temps à t'observer de près. Tu es en train de tout gâcher dans cette maison. Tu ne sais rien faire de bon. Tu te dis certainement que je ne peux rien te faire. Tu sais ce qui me rend heureux? Il ne te reste que 2 mois parmi les 12 que je t'ai donnés. Eh bien, sois sûr qu'à la fin des 12 mois, tu dois quitter ma maison. J'ai hâte de voir ce qui t'empêchera de quitter cette maison. Continue de mettre du vernis. Allez, debout. Va voir ce que tu as mis au feu. Papa. Allez, lève-toi. Va voir ce que tu as mis au feu. Pourquoi tu cries? Qu'est-ce que tu veux que je fasse des haricots brûlés? Ils ont déjà brûlé. Il n'y a rien à faire. Est-ce que je suis magicienne? Je ne supporte plus cette maison. C'est impossible. Tu vois que ces haricots ont brûlé. Qu'est-ce que tu attends de moi? Oh, mon Dieu. Ces haricots ont déjà brûlé, papa. Qu'est-ce que tu veux de moi au juste? Ils ont déjà brûlé. Sauf si tu veux manger ces haricots brûlés. Papa, c'est ce que tu veux manger? Dans tous les cas, c'est un plat qui fait le bonheur de ta famille. Allez, tu la fermes! C'est à ton père que tu parles de cette manière? Tu veux que je mange des haricots brûlés? Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un manger ça dans ce village? Tu n'es qu'une honte pour cette famille. Regarde. J'ai vraiment honte de toi.
mon mari. On a de la visite. Bonjour papa et maman. C'est parce que je connais bonjour ce papa et maman. C'est celui qui veut épouser notre fille. Maman. Oui, bonne arrivée. Est-ce que je vous connais? Un instant, je vous apporte des chaises. Non, 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 papa. Attendez. C'est pas en fait, notre papa. Première visite ici. Maman, il ne fallait voilà. pas. Vous pouvez les poser ici. Vous pouvez les poser ici, maman. Merci. Voilà. Asseyez-vous. Ça fait du bien de revenir chez vous. Maman, je suis vraiment très heureux de te voir bien portante. Papa, comme je le disais tantôt, je suis déjà venu chez vous. Oui, c'est vrai. Et d'après ce que j'ai entendu... C'est ça. Ah oui. Tu n'étais pas à la maison. Oui. Maman vous a parlé de moi. Je suis le père de Scola. Je pense savoir pourquoi vous êtes là. Je suis certain. Je m'appelle Anayo. Je ne viens pas de loin. Je viens du village voisin. Némené. Némené. Vous savez, je suis l'héritier de mon père. Son père était un grand chasseur. Mon ami s'appelle Songuito. Le grand artiste chanteur. Son père était musicien. Ce jeune-là, sa tête me dit quelque chose. Je suis chose. Le fils de Spider. Son père était un grand musicien. Tout le monde le connaît. Attends, attends. Le compositeur d'Odudo. Un cher père qui a chanté Odudo. Oui, et j'ai également chanté ma version. Il est très bon aussi. Après lui. Il était tout petit. C'est lui que nous avons vu au funérail de son père. Il avait un gros ventre et aussi un gros nez. Tu as entendu ça? Il vient de t'insulter. Ben, je ne prends pas ça en mal. Dans notre position, on est capable de tout accepter. Est-ce qu'on a le choix, mon frère? On n'a pas le choix. Oui, on n'a pas le choix. En fait, monsieur, je suis venu pour vous faire un... Rentre dans le vif du sujet. C'est une bonne idée. Papa, avant de continuer, je vais d'abord t'offrir un présent. Oh... Je pense que c'est la meilleure chose à faire avant d'aborder la raison oui, de notre visite. Oui, juste un petit cadeau. Donne-leur. C'est mon ami qui vit à l'étranger. C'est moi qui lui ai donné l'argent pour acheter ça spécialement pour cette occasion. Il a acheté pour cette occasion. C'est un vin de haute qualité. Je peux l'ouvrir? Vas-y. Regarde, le nom est écrit tout autour, tu vois? C'est maman, le nom de ce vin, c'est Bon Voyage. D'accord, mon fils. C'est la langue qui est parlée en Angleterre. Attends un regarde, instant, fais-moi voir. Il y a quelque chose pour l'ouvrir. Hey. C'est vraiment très solide. Maman, c'est du vin original, ce n'est pas de la contrefaçon. Oui, je sais, je lui disais qu'il y a quelque chose pour l'ouvrir. Au Fuji, on dirait maman même que maman s'y connaît en boisson. Tu vois comment elle s'y prend pour ouvrir la bouteille? Maman, tu t'y connais en boisson, hein? Maman est une professionnelle. Oui, tout ce qu'il dit est écrit ici. Ouais. C'est vraiment de haute qualité. Comme j'étais en train de le dire plus tôt, j'étais déjà venu vous voir, mais vous n'étiez pas là. Alors cela dit, je suis là aujourd'hui pour me présenter officiellement à vous et aussi pour demander la main de votre fille parce qu'après tout, vous avez absolument tous les droits sur elle. Je crois que je vais aller chercher un peu de cola. Laisse-moi chercher la cola. Laissez-moi aller chercher de la cola. Ne vous en faites pas, je n'ai pas besoin de cola. Appelez seulement Scola que je la vois. Oui, exactement. Scola! Les gars, j'espère que vous vous êtes bien renseignés avant de venir ici. Parce que je connais très bien ma fille et comment elle se comporte. Je parle ainsi parce que je n'aimerais pas gérer certaines situations. Parce qu'elle insulte et gifle les gens. Papa, t'en fais pas. Nous nous sommes très bien préparés avant de venir ici, je te le promets. Nous avons bien mené notre enquête sur elle. En fait, papa, j'ai déjà vécu certains comportements dont vous avez parlé. Donc, j'ai déjà appris la leçon. Ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai tellement prié et tellement jeûné afin qu'elle soit à moi que Dieu m'a répondu. Papa, Dieu m'a donné ce coup-là. Eh, Dieu merci. Sinon, qui allait épouser ma fille alors? C'est pour ça même qu'on est venu de si loin, papa. Elle est à qui? C'est pour ses invités là, à la voiture. Oui, ça c'est sûr. Elle est morte de honte. Elle est morte de honte. Elle a vraiment honte, ma fille. Elle a vraiment honte. Elle a vraiment honte. Dis-moi, tu es sûr qu'elle va bien? Scola? Qu'est-ce qui prouve que cette voiture est la tienne? Il est juste venu avec une de ses voitures, car il en a plusieurs. Il n'a pas qu'une seule voiture, les autres sont là. Ah bon, mon ami? Papa, il est là. Mon homme. Il est enfin venu, il est là. Je te l'avais dit. Je vous l'avais dit. Je vous ai dit que l'homme idéal sera bientôt là avec la voiture. Vous voyez de quoi je parle?
Ah oui. Oui, mon âme. Oui, mais... Bienvenue à toi. Mon frère, tu vois comment tu es heureux? Profite bien de ce moment. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Ah, est-ce là ton ami? Ah oui, Songito. Le meilleur chanteur du monde entier. Oh, ok. Oui, Songito. Tu peux m'appeler Song. Fais-moi juste une minute, j'arrive. Papa, il y a quelque chose d'autre que je peux faire? Ah bon? Ok, d'accord. Oui, c'est ça. Papa? Nous aurions dû venir avec de la bière. Est-ce que je ne l'avais pas dit? L'homme parfait est là, juste devant vous. Je suis content. C'est le plus beau jour de ma vie. Je suis l'homme de ma super vie. Heureux. Dieu m'a écouté. Que vous êtes trop mignon. Mais qui accompagne Anayo? Hey! Oui, mon fils, mon ami. Ah, maman. Merci, maman. Et où est ton ami? Ok, Songito. Oui, Songito. Je l'ai descendu en venant. Tu sais, lorsqu'on a commencé à venir, il avait de sérieux maux de ventre. Alors j'ai dû le déposer chez lui à la maison pour qu'il se soigne. Mais avez-vous beaucoup mangé? Ah, maman, tu parles de manger? Oui, nous avons mangé, mais pas trop. Nous avons pris de la salade africaine avec des frites. Tu sais bien que c'est mon plat préféré, maman. Mais tu sais aussi qu'il cause vite de sérieux problèmes d'estomac. C'est ce qui a mis Songito dans cet état. Il ne s'y habitue jamais. Jamais. Ça, c'est la voiture de Umayo, n'est-ce pas? Maman, avant, cette voiture appartenait à Umayo. On le voyait avec. Aujourd'hui, elle ne lui appartient plus. Elle m'appartient. Maman, j'ai acheté la voiture d'Umayo. Oui, Umayo m'a bel et bien vendu cette voiture et elle est à moi désormais. Désormais, c'est ma voiture. Je l'ai achetée. Tu as racheté cette voiture à Umayo? C'est ce que j'essaie de te dire. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Ton enfant est maintenant quelqu'un d'important. Qu'est-ce que tu dis, maman? Dieu vient d'accomplir des choses merveilleuses dans ma vie. J'aurais vraiment aimé que tes sœurs soient là pour le voir. C'est un événement, maman, heureux. Où se trouvent Oluchi et Nzogi? Elles ne sont pas... Elles sont sorties. Ah, vraiment? Mon garçon. Maman. Alors, elle est jolie? Maman, toi aussi, oublie ce que tu dis. Si tu vois le sourire sur son visage, si tu vois la manière dont elle me souriait, tu serais impressionné. Si tu vois la manière dont elle m'a accueilli, maman, c'était trop. Franchement, on a bien été reçus. Je ne peux jamais oublier. Un accueil chaleureux. Oh mon Dieu, merci. Outre le fait que ton fils soit un travailleur, maman, je vais t'emmener une très très bonne femme bientôt dans cette maison. C'est ça, mon garçon. Hein? Mon garçon? Oui, tu es mon fils. Qu'est-ce que tu dis? Il faut le répéter encore. Oui, Dieu le sait. Répète encore plus fort, maman. Mon joli fils. Continue de le dire. Dieu, informe les gens. Dis-leur. Oui, bien sûr, je vais les informer. T'inquiète pas, plus tard, je vais te trouver quelqu'un qui va soulever cette chose. Compte sur moi. Oui, mon enfant. Oh oui, ma mon maman fils. Chérie. Je t'apporte de l'eau. Hein? Donne-moi de l'eau glacée. Oui, oui. Hey! Ma fille Scola va-t-elle vraiment l'épouser? C'est le même. Maman? Oui, Scola. Tu m'as appelé? Oui, je t'ai appelé, ma chérie. Tu sais que je t'ai dit que tu ressembles à ma mère, hein? Je suis beaucoup passionnée par toi, hein? Assieds-toi. Viens t'asseoir, ma chérie, ma fille. Ma reine. Mon tout. Maman! Écoute, je suis simplement inquiète. Je m'inquiète pour toi. Pourquoi? Je ne sais pas. Cet homme qui est venu te demander en mariage. Oui. Qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? Hein? Ah! Maman, je pensais qu'il te l'avait déjà dit. Eh bien, c'est un grand chasseur. Et aussi un chasseur qui vient du village d'Amoa. Ma fille, ce chasseur du village d'Amoa, qui possède une voiture, es-tu sûr réellement qu'il ne nous ment pas? Quel est ce genre de question? Un chasseur ne peut pas avoir une voiture? Je te l'ai dit, c'est un grand chasseur, un grand... Grand à quel point?
grand point où fait dans... L'exportation de viande de brousse. Quelqu'un qui a ce genre de boulot, maman, ne peut-il pas avoir une voiture? Si, maman, c'est possible. Mais je veux juste... J'aimerais juste que tu sois prudente, c'est tout. Ok. Mais maman, j'ai l'impression que tu essaies de me décourager. Mais non, comment? Pourquoi cela? Parce que je ne comprends pas du tout exactement. Oh, je vois. Donc c'est le plan. Hein? Papa et toi ne voulez pas que je me marie. Pourquoi tu dis cela? Je vais rester dans cette maison en me faisant insulter tous les jours afin que vous moquiez de moi à chaque fois. Non. Je suis désolée. Vous avez échoué. Le Dieu du ciel a exaucé mes prières. Je vais me marier. Déjà que je me suis trouvé l'homme idéal, je vais me marier avec lui. Que dis-je? Je le suis déjà. Scola. Cet homme et toi, vous venez juste de vous connaître. Alors, mais comment? En fait, qu'est-ce qui te fait vraiment penser qu'il est l'homme qu'il te faut? Dis-moi, parle à ta mère. Oh, le fait qu'il ait une voiture, a fait de lui l'homme parfaitement idéal. Tu comprends, maman? D'ailleurs, maman, je sais, maman, je suis très confiante qu'il va prendre soin de moi. Ne veux-tu pas avoir un gendre qui a une voiture? Hein? N'aimes-tu pas les bonnes choses? Bien sûr que je le veux. Si tu le veux, ma chérie, tu dois être prudente. J'ai un mauvais pressentiment. Je suis inquiète. Je suis inquiète. Je suis inquiète pour toi. Oh, par toi. Cette femme ne veut même pas que je me marie. Ah. Tu te lamentes. Maman, Stika, pourquoi tu fais ça? Ton mari et toi devriez vous préparer pour notre mariage. Compris? Je vais de ce pas au marché. J'ai des choses à acheter. J'en ai fini avec. Je suis partie. Chizo. Oui, Scola. Quand est-ce que tu es revenue au village? Ma chérie, il y a 2 jours. Il y a 2 jours? Tu n'as même pas jugé important de m'informer? Ma chérie, pardon, ne sois pas offensée. J'avais planifié de venir te voir le week-end, hein? Je suis venue chercher à manger et je ne suis pas venue avec mon mari, c'est pourquoi. Scola. Ah! Tu dis quoi? Chercher à manger? Qu'est-ce qu'il y a? Ton mari ne te donne pas à manger? Il fait de son mieux. C'est parce que son travail ne marche pas trop bien ces temps-ci. C'est à cause de tout ça, hein? Hein, Scola? Alors, quoi de neuf? Scola, ma chérie. Ah, c'est étonnant. Si le travail de menuise ne paye pas bien, pourquoi l'a-t-il choisi comme métier exactement? Et toi, tu l'as suivi? Est-ce obligé d'aller vivre en ville avec lui? Est-ce forcé? Les hommes ne sont pas comme ça. Il fait vraiment de son mieux. Toute ma prière est qu'il soit un jour élevé à un meilleur niveau, hein? Alors quoi de neuf? Comment tu vas, Scolastica? Je vais bien. Je me porte très très bien. Et comme tu vois. Et tu es toujours attirante. En fait, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ah bon? Et c'est quoi? Ah, je vais bientôt me marier. Ah. C'est quand? Ah, ce week-end. Ah, ah. Je te parle de ce week-end-là. Vraiment ce week-end-là? Oui, oh. Ah. On n'a pas le temps. J'ai essayé de joindre à Mogué, mais son numéro ne passe pas. Toutes mes amies sont en train de se marier pour me laisser dans ce village, n'est-ce pas? Oh, mais bien sûr. C'est maintenant mon heure. Pourquoi si tôt? Pourquoi cette précipitation? Ça n'a aucune importance. Ce n'est pas le plus important, on n'a pas le temps. Oh. Ma chérie, je suis très contente pour toi. Scolastica, ma chérie. Regarde-moi, une fille aussi charmante. Dieu m'a bénie avec un homme aussi charmant qui a une voiture. Une voiture? Tu es vraiment chanceuse. Je serai présente coûte que coûte le jour de ton mariage. Naturellement, tu devrais être présente en direct. Scolastica, chérie. Je suis si heureuse parce que bientôt, je ne vais pas seulement quitter mes parents avec leurs problèmes. Mais je vais vous laisser tous dans ce village. Tu sais quoi? Si ce n'est pas pour la ville, ça sera peut-être pour un autre village. Donc ton mari n'est pas de ce village? Il n'est pas d'ici. Comment ça? Tu sais quoi? Mon mari vient du village d'Amouania. Scola bébé! En ce moment même, je prépare mon mariage et les choses avancent très vite. J'ai besoin d'aide et ça tombe bien que tu sois venue. Accompagne-moi au marché, Chizo. J'ai besoin de toi. Qu'est-ce que tu attends? Allons-y, tu devrais voir la robe que j'ai. Mon cher mari, s'il te plaît, ne sois pas en colère. J'essaie seulement de dire que tu ne penses pas que nous mettons trop de pression à notre fille. Je trouve que les choses avancent un peu trop vite et nous n'avons pas d'informations. Nous devons nous informer sur cette famille qu'elle va bientôt rejoindre pour s'assurer qu'on n'est pas en train de faire un mauvais choix. Est-ce que tu me comprends, mon mari? Maman Scola,
Oui. Je ne sais pas ce que tu veux que je découvre sur cette famille. J'ai déjà mené des enquêtes sur la famille du jeune. Et je t'ai même informé du résultat de toutes mes enquêtes. C'est un très grand chasseur, tu vois. Il vit avec sa mère et ses deux sœurs. Alors je ne sais pas pourquoi tu t'inquiètes soudainement. Ce qui compte le plus, c'est que Skola, notre fille, a accepté de se marier à lui. Mon mari, il semble que tu ne m'as pas comprise. Je sais bien qu'elle a accepté ce jeune homme parce qu'il a une voiture. Mais soyons honnêtes, tu sais que ce monsieur n'est pas aussi jeune qu'il le semble. Tu as vu sa calvitie, ou c'est sa forme qui te trompe. Malgré le fait qu'il ressemble à un enfant, il n'est pas aussi jeune qu'il le semble. Ne te laisse pas impressionner par sa petite forme. Regarde sa calvitie. Tu te plains qu'il ne soit pas jeune? Est-ce que Skola est jeune? Réponds-moi. Tu te plains du fait qu'il n'est pas jeune? Skola ne fait que nous créer des problèmes dans cette maison. Je ne vois pas pourquoi tu décides de t'inquiéter pour elle. Le jour viendra où elle me cassera la tête. Skola, tu attends d'abord qu'elle me casse la tête. Calme-toi, mon mari, okay. Ça n'arrivera pas. Ce que j'essaie de te dire, c'est qu'il faut mener les enquêtes sur ce jeune homme. Que fait-il à part la chasse? J'aimerais avoir plus d'informations sur ses sœurs. Ses sœurs sont-elles plus âgées que Skola? Ma fille est trop jeune, Skola, pour y aller. Écoute-moi, s'il te plaît. Tu te fais du souci à cause de son âge. Mais laisse-moi te dire que si un borgne venait demander Skola en mariage, si un handicapé venait, je ne lui refuserais pas Skola. Et si la personne qui vient est pauvre, je vais le soutenir avec mon propre argent. Je ne te comprends pas. Tout ce que j'essaie de te dire, c'est que je m'inquiète pour elle. Tu t'inquiètes pourquoi? Je suis inquiète à cause de la famille qu'elle va bientôt rejoindre. Il faut chercher à découvrir comment il se comporte. Ok, je comprends maintenant ce que tu dis. Tu t'inquiètes et tu te fais de mauvaises idées à propos de ce mariage. Je suis plutôt inquiet parce que si Skola continue de vivre ici, je ne vivrai pas longtemps. Dieu t'en garde. Pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Laisse-la aller dans son foyer. Tu veux bien? Arrête de te comporter comme ça. Arrête tout ça. Laisse Skola se marier et ensuite elle ira vivre chez son mari. Ancestrale. Nous la ferons selon la tradition de nos pères. Skola, ma princesse. Papa. Je te donne cette boisson pour que tu ailles la donner à ton mari. Il est assis quelque part dans la foule. Donne-lui une verre pour qu'elle aille le remettre à son époux. Je suis très fier de notre fille. Je suis fier. Ton mari est assis dans la foule. Montre-le nous. Il est assis là-bas, dans la foule. Vas-y. Yeah.
je vous salue. Souhaite la bienvenue. Merci. Mon genre, c'est notre tradition. Je sais que ça met du temps, mais je te prie de patienter. Nous allons bientôt terminer la série. Ma fille. Oui, papa. S'il te plaît, vas-y doucement avec le maquillage. Bah, fais ce que tu as à faire. Ce que je demande à Dieu, c'est qu'il vous bénisse avec une longue vie et une bonne santé. Je prie pour que le bon Dieu exauce mes prières et qu'il fasse de vous un couple exemplaire dans le village et partout où vous êtes. Qu'il vous donne beaucoup d'enfants. Amen. Qu'il vous accorde l'harmonie dans votre couple et qu'il vous accorde des ressources pour soutenir votre famille. Vous aurez absolument tout ce que vos cœurs désirent. Que la stabilité vous accompagne et qu'il éloigne de vous tous les problèmes. Que tous ceux qui planifient le mal contre vous échouent et que cela se retourne contre eux. Voilà. Allez-y, jouez une belle musique. I don't know.